Dopo 40 anni dal terremoto, io sono ancora qui, 40 a scrivere della mia terra. Après le tremblement de terre, je suis encore ici à écrire de ma rimproverarla. De mon territoire. La molla che mi muove è l'amore. Même quand je le réprimande, non è andata come speravo. J'agis par amour. Parlavano, è arrivato poco, la reconstruction s'est passée mal. I ragazzi le développement est arrivé pour peu de gens. Molti sono spariti. Et les filles et les garçons qui n'étaient pas là il y a 40 ans ne sont pas là maintenant. Beaucoup sont partis à chercher une vie où ils pouvaient trouver une façon de survivre. Avant de la pandémie, le tremblement de terre était l'événement le plus grand que j'avais vécu. L'événement grand est celui ici dans lequel ta vie est dans un flux. Tu peux t'opposer, mais le flux avance. Toi qui, pendant le tremblement de terre, n'étais pas là, tu dois savoir que nous ne sommes pas été capables de donner la direction que nous désirions à l'histoire de nos lieux. Mais maintenant, la question est plus grande. À ce temps-là, on pouvait faire quelque chose de plus. Maintenant, le défi est rendre une route qui porte au bout du monde sans arrêt et une autre avec des hésitations qui peut nous donner du temps pour faire quelque chose d'une autre manière. Ceux qui ont 20 ou 30 ans maintenant doivent sentir qu'ils ne sont pas sans élan ou sans ferveur révolutionnaire. Tout simplement, ils ont créé une pellicule qui nous sépare de notre nature à la plus vraie, de notre désir de lutter pour protéger nos vérités. Quand nous rencontrons quelqu'un, pas seulement nous devrions lui demander comment il va, mais nous devrions lui demander comment son monde va, comment le monde entier va. Seulement si nous pensons au monde comme notre pays, comme notre maison, notre père, seulement de cette manière nous pouvons nous dédier à notre vie et à celle des autres avec le même élan. La reconstruction s'est passée mal, comme tous les événements après les malheurs, les tragédies. Simplement parce qu'après la ferveur démocratique de réparer aux dégâts, le pouvoir cache les fautes et le malheur devient une question de profit. Peu à peu, la plupart des gens se résignent, certains cherchent à tirer leur profit. Quelqu'un continue à lutter, mais seulement dans sa propre vie. Toujours, les tragédies sont la seule possibilité qu'on a pour changer notre destin, pour ne pas nous résigner à vivre à la réalité comme une forme de divertissement. Il y a toutes les fois où nous nous indignons, où nous protestons. La réalité, d'ailleurs, s'est créée dans chaque point. Toi, qui n'étais pas là au moment du tremblement des terres, laisse trembler ta vie, laisse-la s'enfuir. Parce que cela est normal. Si tu veux atteindre le cœur de ta vie, tu dois le chercher dans le cœur du monde. Ce n'est pas dans un lieu précis, ce n'est pas dans un palais du pouvoir, c'est dans les rues où tu te promènes. Les chansons, les poèmes, les passions intimes et les passions civiles doivent se lever. Il faut une mission de tout le monde. Il faut une grande lutte pour éliminer l'injustice. Il faut la grande sensualité de la révolution pour éliminer les peurs et la paresse. Il nous faut quelque chose qui nous permet de sortir de l'infirmerie. Pour l'instant, il faut regarder mieux ce que nous regardons. Il faut nous convaincre que si nous levons nos flammes, l'obscurité du monde va se cacher. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à Je ne risque pas, le premier événement en ligne nationale. Nous sommes de l'Institut Rossellini pour cette campagne soutenue par le département de la protection civile, l'Ampas et l'Ingeveux, et Louis et Fondazione Cima. Les mots que vous avez entendus sont les mots du poète Franco Arminio, un des plus grands poètes de nos pays. Et comme l'a rappelé Roberto Saviano,
Et ces mots ont été lus par Simone Giacinti, l'acteur qui nous a introduit cette journée pendant laquelle nous voulons explorer les bonnes pratiques de ce projet. Je ne risque pas. Nous avons en ligne Franco Arminio, que je remercie pour être ici. Bonjour. Bonjour Franco. Nous t'entendons très bien et nous sommes très heureux de commencer cette journée avec toi, avec tes mots. Tu es le poète du silence, le poète des villages, des relations entre les personnes, les choses et les espaces. Pendant les dernières années, tu as parlé avec ton regard des tragédies de notre pays, les tremblements des terres, les inondations. Voyons, tu as parlé de tout. Tu as parlé du silence des lieux et tu as parlé du silence plus récent et le plus proche, le silence de la pandémie. Mais je voudrais commencer par le début, comme on fait toujours dans les contes. Tu parles de toi, tu dis que tu es né à Bisaccia sur la planète Terre. Il est toujours important de mentionner les lieux, comme tu l'as dit, avec des mots. Il faut demander comment le monde va. Tu es né en 1960. 23 novembre 1980, tu avais 20 ans. Donc, à 20 ans, tu as vécu l'expérience du tremblement de terre de l'Irpinia. Avant tout, j'ai eu de la chance parce que je ne connaissais pas les victimes et ma maison n'a pas écroulé, mais j'ai eu beaucoup de peur et comme pour beaucoup de gens, le tremblement de terre est une division entre ma vie avant le tremblement de terre et ma vie après le tremblement de terre et la vie de Célio avant le tremblement de terre et après le tremblement de terre. Qui est un événement très grand, qui n'est pas seulement un événement duquel on parle pendant quelques jours, mais c'est quelque chose qui modifie à jamais la vie des personnes affectées. Cela n'est pas clair à ceux qui ont eu la chance de ne pas vivre de tremblement de terre dans son territoire. Les tremblements de terre changent le paysage naturellement et aussi les émotions, la psychologie, la sensibilité des personnes. Nous parlons de territoires qui tremblent, mais aussi des personnes qui tremblent. Donc, ce tremblement requiert une sensation de participation, de sentiment de participation et de mouvement, mouvant, émouvant. Donc, voilà ton intérêt, ton urgence. Mais quelle est l'origine de cette urgence pour toi? C'est une sorte de tremblement de terre qui est lié au fait que nous habitions dans un territoire sismique. Aussi, les Italiens, même s'ils vivent dans un territoire qui tremble toujours, au nord, au centre, au sud, il semble que les Italiens ne sont pas conscients vraiment de cela. Il semble que chaque fois qu'il y a un tremblement, ils sont surpris. Et cela est étrange. Et voilà la psychologie collective. Et après, il y a une sorte de vide dans chacun. Vivre, naître, signifie exister sur un territoire sismique. Parce que nous savons que nous devons mourir, mais nous ne savons pas quand nous allons mourir. Donc, cela signifie que nous tremblons tout le temps. Et pour cela, nous devons nous sentir plus proches aux autres et aux vies des autres, parce que ce n'est pas seulement notre vide. Donc, si nous réconcilions le tremblement naturel du territoire et le tremblement de terre intérieur, et qui est causé par le fait que nous sommes des créatures qui sont en danger, parce que les vivants sont en danger, par définition. Et donc, cela ne doit pas nous rendre tristes, mais cela doit rendre notre présence dans le monde, notre présence dans le monde encore plus solide. Franco, pas toutes les expériences sont semblables, pas toutes les tragédies sont semblables et pas toutes les reconstructions sont similaires à tu. On a observé plusieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mentionner?
Pourquoi il y a ces différences? Avant tout, le tremblement de terre se passe dans des périodes différentes. Par exemple, le tremblement de terre de l'Irpinia de 1980 a souligné un changement qui était déjà en cours du monde des paysans au monde moderne. Donc, le tremblement de terre se passe quand il y a déjà un changement. Donc, le passé était négligé à ce moment-là et le tremblement a été une opportunité pour détruire des maisons qui n'étaient pas écroulé. Dans le centre de l'Italie récemment, on a sauvegardé les maisons, tandis qu'en Irpinia, on a fait une chose très différente parce qu'on s'occupait de détruire les maisons qui ne s'étaient pas écroulées. Et comme pour augmenter les dégâts pour distribuer les contributions, parce que là, à ce moment-là, on pensait qu'on devait se libérer du passé. Donc, le tremblement des terres se passe toujours à un moment historique précis où il y a une situation précise. S'il y a un tremblement des terres aujourd'hui, il va se passer quelque chose de différent de ce qui s'est passé à Iberice, à Gibellina. On a détruit un village pour créer un radar, ce qui est intéressant. Mais je pense qu'il serait impossible de faire cela aujourd'hui. On dirait que c'est scandaleux. On dirait que le passé est sacré et que les maisons doivent rester intactes parce que à la fin des années 60, il y avait une autre approche. Donc, il faut comprendre que les tremblements de terre se passent toujours dans un lieu précis avec des actions politiques et des attitudes différentes. Et ces approches et ces attitudes est quelque chose qu'on va traiter ce matin. Et je te remercie, Franco Erminio, pour avoir introduit cette journée avec tes mots et tes réflexions. Et maintenant, donc, avec les mots de Franco Erminio, nous avons réfléchi sur le fait que les lieux et les faits peuvent être protégés et nécessitent une action de protection, un sentiment collectif qui est institutionnel, mais qui est lié aussi à la responsabilité de tout le monde. Voilà ce que la sécurité civile fait tout le jour. Et on va parler de cela avec les premières personnes qui sont ici avec nous. Il y a M. Postiglione ici, le géologue et le vice-chef de la protection civile. Il y a aussi M. Ezio Galanti, un expert de protection civile, de planification des émergences et de l'environnement. On pourrait partir du mot de Franco Erminio, de ce sentiment qui nous a inspiré, la contribution de Franco Erminio. Mais je vais poser une question à Ezio Galanti. Il y a deux moments de l'histoire nationale qui devient histoire collective, sentiment populaire, comme la fameuse chanson de Franco Battiato. Un de ces moments de la mémoire de tout le monde est l'inondation de Florence en 1966. Et on peut dire que l'histoire de laquelle on parle aujourd'hui est partie à ce moment-là. A commencé à ce moment-là, oui, parce que cela a été un événement dans une ville historique importante. Et cela a fut cela a été le premier événement qui nous a rendu conscient des urgences. Et donc, cela a été une urgence globale. Pour la première fois, la télévision s'est occupée de cela. Dans le passé, les urgences étaient liées à la radio surtout, mais cette fois-ci, il y a la télévision. Et donc, cette tragédie devient un événement global. Et des personnes arrivent du monde entier pour aider Florence, qui était l'Athènes de la civilisation moderne. Donc, il y a eu une inondation d'une partie de la culture occidentale. Pour cela, il y a des forces hors pair qui viennent du monde entier. Et donc, c'est une grande émotion collective et aussi la première poussée pour renouveler la protection civile italienne.
Oui, ce sont des forces hors pair, concrètes, pratiques, physiques, les bras des personnes qui aidaient nous tous aussi, ceux qui n'étaient pas nés, ont vu cela dans les films, dans les documentaires, et ont vu les personnes qui aidaient à... qui est de Florence avec des énergies hors pair. Ce sont des forces physiques et émotionnelles et intellectuelles et participatives. Et Monsieur Postiglione, est-ce qu'il faut réconcilier ces deux forces, le sens pour les choses et la sensibilité pour les choses, pour les personnes, donc la raison et le sentiment? Oui, cela a été le cas en 1966 et cela est le cas aujourd'hui encore. Avec les grandes urgences et les grandes catastrophes, il y a ce mouvement collectif, cet esprit de solidarité, comme nous l'avons vu récemment avec la tragédie de la pandémie. De quelque manière, le monde entier a agi, mais cette pulsion doit être gouvernée, doit être raisonnée et doit faire partie d'une raison. Après l'année 1966 en Italie, on devient conscient qu'on a les ressources et les capacités, les expériences et l'intelligence pour faire face aux urgences, mais tout cela doit être organisé et devenir un système. En effet, on passe de l'idée des anges de la boue, les jeunes qui vont sauver Florence, et au bénévolat de protection civile, c'est-à-dire un bénévolat avec une formation, avec des capacités qui peut changer, qui peut transformer ce sentiment en un système. Raisonner. Oui, c'est dans ce passage du sentiment de la pulsion à l'organisation qu'on trouve les résultats qui est évident aussi, qui a été évident aussi dans récemment avec la pandémie. Monsieur Ezio Galanti, vous avez été le premier, mais on peut utiliser le tu, toi. On peut se tutoyer. Tu t'es occupé de la planification des risques dans la protection civile. Donc, planifier semble un geste très rationnel, loin du sentiment. Et loin du sentiment qu'on a mentionné avec les mots de Fianco Arminio, loin du sentiment de la protection. Mais peut-être que ces deux choses ne sont pas très loin. Il faut planifier pour exprimer ce sens de protection. Oui, la planification n'est pas seulement une chose technique et qui concerne l'organisation, mais c'est une relation. Selon la structure de la protection civile, la planification est une opportunité de coordonner les municipalités, les maires et les citoyens. Et c'est une opportunité de dialogue et nous rend conscients parce que nous voulons des informations, des informations, des informations, mais très souvent cet excès d'informations ne porte pas à la connaissance et ne porte pas à la perception de vivre son territoire. Si les citoyens n'ont pas cette perception de vivre le territoire avec ces risques, on ne peut pas seulement penser aux cartes postales des territoires. Cette conscience, la planification qui est le point de rencontre entre les institutions locales, Zambelletti était le père de la protection civile, a toujours désiré d'engager le maire et les municipalités en tant que premier acteur de la protection civile. Pas seulement pendant les urgences, mais aussi dans la prévention. Si les citoyens sont exclus de cette conscience, la planification ne marche pas. Donc, c'est une opportunité très forte pour les institutions et pour les citoyens qui doivent travailler sur la planification aussi.
Madame Postiglione, tu étais la première dame, femme de la gestion des émergences et aussi sur la base de ce que M. Tsogalanti a dit et en pensant au moment crucial de notre histoire, de l'histoire de notre pays et l'histoire des émergences. Arminio avait souligné le sens du temps, de l'attente et des doutes, mais comme Galanti l'avait dit, il y a des moments où planifier signifie qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas avoir des doutes. Il y a le titre très fameux du quotidien Il Mattino qui disait « Dépêchez-vous, faites vite ». Et c'est très émouvant. Il y a des moments où on ne peut pas attendre ou avoir des doutes. Non, sûrement, certainement, on ne peut pas attendre pendant les urgences. Le temps est crucial. La question du temps est cruciale. C'est l'étoile qu'on doit suivre. Mais il y a un temps avant. Si vous faites vite sur la base de ce qu'avait dit Andy Warhol aussi, ce qui a été un appel universel. Et quand le tremblement de terre ou l'inondation arrive et quand il faut répondre, réagir immédiatement, cela s'avère crucial. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. En revanche, c'est l'effort de chacun entre nous. C'est un engagement collectif des personnes qui collaborent, deviennent une communauté et font des choses. Et vite devient avant. Avant signifie avant de l'événement. Quand je peux seulement imaginer le risque qui va devenir émergence. Donc, on passe du vite au avant. Oui, ces deux termes, vous voyez ici cette première, la une de Il Mattino. Protection et secours, cela s'appelle protection civile et pas secours. Cette différence est très importante parce que cela montre la mission, le but principal, le destin, quelque chose qui doit se passer avant. En pensant à ce moment essentiel de notre histoire, de notre relation avec le risque et les émergences comme l'inondation de Florence, le tremblement de terre en Irpigne et l'événement d'Alfredino Rin qui est aussi un moment de participation émotionnelle et collective très émouvant. Où la communication est centrale et aussi la relation avec les médias, avec la presse et la participation du public à ces grands événements. Donc ce sont des moments qui contribuent à créer ce sentiment populaire et qui porte à la naissance de la protection civile. Donc cela semble naître d'une vocation au secours et pas à la prévention. Et est-ce que c'est le cas ou est-ce que cela a changé pendant les années aussi pour ce qui concerne le langage aussi? Oui, le tremblement de terre en Irpigne et Alfredino Rampi sont deux événements opposés où la protection civile ne peut pas. On ne peut pas les comparer parce qu'il y a eu un nombre de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes dans le cas du tremblement de terre parce que dans le cas d'Alfredino Rampi, naturellement, il n'y avait qu'une victime. Dans ce cas-là, on a l'architecte de tout cela était M. Zambelli. Était avec le tremblement de terre du Friuli, il a compris que la protection civile, on a compris que seulement en gérant l'urgence, on ne peut pas être efficace. Donc, la protection civile a aussi des pratiques de prévision et on ne peut pas prévoir les tremblements de terre, mais on peut prévoir les autres événements. Et on
ne doit jamais négliger la prévention. Et l'Italie, la meilleure, se montre dans les moments les plus terribles. Mais l'Italie, la meilleure, doit être évident aussi tous les jours, doit se concrétiser tous les jours. Il faut étudier les territoires et on doit s'occuper de la communication pour la connaissance. Voilà la voilà ce que qu'est-ce que c'est la protection civile. Ce que c'est la protection civile. Pas tout le monde sait que cette journée d'aujourd'hui vise à montrer les initiatives qui s'expriment dans le travail de beaucoup de bénévoles, mais aussi c'est une question de connaissances et de découvertes liées aux activités de prévention pour les citoyens et pour ceux qui habitent les territoires. Donc voilà ce que cette campagne vise à faire. La campagne Je ne risque pas. Voilà les buts de sa journée, mais aussi les buts du travail, du « je ne risque pas » et de ce que vous faites. Oui, tu l'as bien dit, c'est un monde extraordinaire, vivant, dynamique, du bénévolat, de protection civile. Et l'idée, c'est pas sur cela, ce sont les associations nationales qui ont une vision à long terme, qui ont permis de faire la communication des risques pour les citoyens et sur les territoires avec le langage que les citoyens comprennent et en franchissant les barrières entre les institutions et la citoyenneté et les citoyens. Et je ne risque pas lié à tout cela. C'est un appel. Cela nous permet de comprendre que chaque personne peut faire la différence dans la vie quotidienne immédiatement parce qu'on ne peut pas attendre. Et donc les doutes, l'attente que Franco Arminio avait mentionné est le temps de paix, le temps qu'il y a entre une urgence et l'autre, et cela doit être rempli de sens. Et donc il y a cette campagne qui vise à engager les citoyens, à le rendre un citoyen actif, à être un acteur protagoniste de la protection civile, et parce que nous pensons que la protection civile inclut les bénévoles, les municipalités, mais aussi tous les citoyens. Oui, tu as utilisé le mot citoyen actif. Donc nous devons être des citoyens actifs comme toutes les personnes qui participent à cette journée dans les places et les lieux d'Italie. Maintenant, on peut voir le début de cette journée à Milano, à la Darsena, où il y a aussi le chef du département de la protection civile, Fabrizio Curcio. Maintenant, nous voyons la place à Milan. Nous devons nous connecter, mais il y a les personnes sur le champ et qui travaillent pour nous tous. Donc nous pouvons voir les personnes ici qui travaillent. Et je pense qu'il est important de montrer comment cette journée se déroule parce que et le moment de la pandémie est une période pendant laquelle il est très important de voir les places et de les relier tout ensemble. Pas seulement cela est très émouvant, mais cela donne un sens d'espoir. Oui, c'est une très belle image, l'image des place peuplée où il y a les bénévoles qui rencontrent les citoyens et comme Fabrizio Cuccia l'avait dit, tout cela est très significatif.
Je parle aux responsables des protections civiles municipaux et régionales. Nous sommes ici avec les associations de bénévolat qui rencontrent les citoyens aujourd'hui pour parler des risques de protection civile. Et donc, on fait cela en présence physiquement et c'est une occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé pour réaliser cela et pour établir cette connexion. L'année passée, nous avons organisé des événements semblables. On parle des risques de protection civile après une période de COVID, après la période du COVID, une période pendant laquelle l'urgence a été sanitaire surtout. Et aujourd'hui, nous voulons parler à nouveau des risques de notre pays parce que la COVID n'a pas éliminé les risques de notre pays. Il faut faire cela avec les citoyens, avec les informations scientifiques et grâce aux nombreux bénévoles qui travaillent pour nous rejoindre dans les places réelles et virtuelles qu'on a organisées cette année. La COVID nous a appris beaucoup de choses et cela nous a appris qu'il faut parler des bonnes pratiques, mais cela signifie aussi mener des actions concrètes. Et récemment, nous avons appris à mener des actions très concrètes. On porte des masques, nous nous lavons les mains et nous faisons des choses qui nous aident à lutter contre les risques. Donc, parler des pratiques de protection civile signifie diffuser les bonnes pratiques qui sauvent notre vie avec les risques les plus quotidiens sur notre territoire. On a appris la résilience et ce que cela veut dire. Cela veut dire augmenter notre capacité de réagir à un certain événement avec notre comportement. Donc, je ne risque pas de faire cela et de manière la plus diffusée possible sur le territoire parce qu'augmenter la résilience aux risques naturels signifie avoir des citoyens plus savants et avoir des institutions plus fortes pour réagir à des événements qui se passent dans notre pays et vont toujours se passer aussi à cause des changements climatiques qui affectent pas seulement notre pays, mais le monde entier. Nous allons continuer à être ici pendant toute la journée grâce à nos bénévoles et tous ceux qui nous ont permis d'organiser cette journée. C'est une journée de préparation aux travaux qu'on mène toute l'année. On parle des risques aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui. Maintenant, nous voulons exprimer le travail quotidien, constant, continu. Donc, merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre entre les citoyens et les institutions à travers notre monde extraordinaire du bénévolat, de la protection civile. Maintenant, nous avons une personne spéciale que nous devons remercier et aussi de la part du département de la protection civile et nous lançons le message de notre hôte spécial. Merci et je ne risque pas. Aujourd'hui, les volontaires de la campagne Je ne risque pas rencontreront les citoyens dans plus de 300 municipalités et dans 500 places numériques. C'est l'occasion pour promouvoir la connaissance des phénomènes naturels qui frappent l'Italie, en particulier les tremblements des terres et les alluvions, et pour expliquer les bonnes pratiques à adopter pour réduire les risques. Il s'agit souvent de gestes simples. Quoi faire en cas d'urgence? Comment reconnaître une zone à risque? Comment rendre sa propre maison plus sûre? Et également, comment se préparer à une urgence? Des petits gestes, mais qui peuvent sauver beaucoup de vies. En Italie, plus de 90% des municipalités a des zones exposées à des risques d'alluvions et des tremblements de terre. 41% de la population vit dans des zones ayant une dangerosité sismique très élevée. Les risques et les dommages causés par les catastrophes naturelles ne peuvent pas être éliminés, mais ils peuvent être réduits et gérés. Pour le faire, il est nécessaire l'aide et la préparation de tout le monde.
Le Service national de la protection civile est très engagé depuis des années en termes de prévention. Il étudie et analyse les phénomènes naturels. Il identifie les interventions structurelles pour réduire les risques sur les territoires. Il planifie comment gérer les catastrophes. Je voudrais remercier le département de la protection civile avec tous les organisateurs et les promoteurs de cette journée et tous ceux qui ont consacré, qui vont consacrer leur temps aujourd'hui et leurs énergies à cette initiative très importante. Et vous, les bénévoles, vous êtes la force silencieuse de l'Italie qui répond chaque fois qu'il y a besoin. L'Italie vous admire et aujourd'hui, elle veut apprendre de vous. Merci au président du Conseil Mario Draghi pour ce message. Pas besoin, je crois, d'en souligner l'importance et également l'importance de cette journée et du travail de la protection civile, appelée, comme l'a dit le président Draghi, une force silencieuse. Et donc, Monsieur Postiglione, c'est ça peut-être qu'il faut souligner, une force silencieuse qui doit être écoutée plus, sans aucun doute, de la part de nous tous afin de construire ce sens de collectivité qui est demandé dans des professions telles que la vôtre. Oui, mais avec l'idée, ce n'est pas par hasard que ce qu'il faut faire, c'est établir un rapport avec les citoyens. Ce n'est pas par hasard que notre campagne est une campagne de communication, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui doivent se rencontrer. Le monde de ceux qui ont une expérience, quelque chose à raconter, ceux qui peuvent nous aider et aider les citoyens à se rapprocher de thèmes compliqués tels que les risques affrontés par la protection civile et ensuite les citoyens communs qui ont besoin de savoir, qui veulent savoir, qui doivent être accompagnés dans des parcours qui sont compliqués. Eh bien, ici, il y a la rencontre entre les citoyens et d'autres citoyens expérimentés et c'est très beau car derrière ces parcours, il y a une étude, il y a de l'approfondissement, il y a un échange. Donc cette campagne est le fruit aussi du travail avec la communauté scientifique italienne et nous essayons de raconter de manière simple et aussi légère, si vous voulez, des questions qui sont complexes, compliquées, derrière lesquelles il y a des gens qui travaillent tous les jours, même au niveau scientifique, sur des thèmes si importants. Eh bien, cette union entre science, le reste du monde de la protection civile, y compris les bénévolats et les citoyens, c'est un processus de relation. Et je crois que c'est un aspect gagnant pour la protection civile de demain. Ezio Galanti, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en œuvre tous ces principes? Quel est le premier geste à faire pour créer ces sens de protection, de soins que nous avons appris cette année? Je me suis posé cette question et je pense qu'on peut tout simplement faire un essai, c'est-à-dire quand nous achetons une voiture, il y a toute une série de questions que nous nous posons avant de l'acheter. Eh bien, il faudrait faire la même chose pour ce qui concerne sa propre maison. Déjà, avoir ce type d'attention, l'attention que nous avons quand nous achetons une voiture utilisée, eh bien, même pour la maison, il faudrait savoir l'année des constructions. Si des restructurations ont été faites, ça, c'est une question très importante. C'est comme si la voiture a eu des accidents. Est-ce qu'il y a des dotations de sécurité sur la voiture, l'airbag, les ceintures de sécurité et dans une maison? Quelles sont les zones protégées à l'extérieur de ma maison? Donc, c'est un exercice simple que nous pouvons faire dès maintenant. Donc, quand vous rentrez aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose. Quand vous achetez une maison, vous savez très bien ce que vous devez demander. Mais si vous achetez une maison, vous vous posez ces questions ou pas? Eh bien, il faut se poser ces questions pour commencer. Cela montre vraiment
là où nos comportements peuvent changer pour faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire la protection civile, c'est nous tous. Oui, en fait, la protection civile, c'est nous. Et comme l'a rappelé Ezio, ce fait d'y être commence de choses très simples. Donc, si nous arrivons à surmonter ce bloc psychologique que nous avons, c'est-à-dire que nous pouvons nous protéger du risque s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui nous aide, eh bien, si on passe de cette vision à une conscience différente qui signifie essentiellement c'est moi, avec mes comportements, avec mes choix, des choix que je dois faire aujourd'hui et qui concernent ma sécurité de demain, c'est cela qui peut faire la différence. Eh bien, là, il y a un processus de croissance sociale, un processus dont notre pays a besoin. La vérité, c'est que en termes de prévention, nous sommes encore trop peu préparés, trop peu mûrs. Et je crois que c'est là la différence. Faire des choix aujourd'hui, des choix qui concernent notre avenir, qui nous concernent en tant que personne et qui concernent les lieux où nous vivons, les territoires où nous vivons. Et bien sûr, il y a ensuite un monde un peu plus complexe qui est aussi le monde de la gestion de l'environnement, le changement climatique, notre manière de les affronter. Mais il faut avoir cette conscience forte. C'est-à-dire, ce qui peut faire la différence, c'est l'individu, c'est la personne, individuellement, quand la personne choisit par rapport à sa sécurité. Donc, la protection civile, c'est nous, mais inévitablement, il y a certains qui sont plus la protection civile par rapport à nous. Maintenant, nous sommes connectés avec la salle de surveillance sismique et alerte tsunami de l'Institut national de géophysique et volcanologie de Rome avec Luisa Valoroso, sismologue. Elle devrait être connectée avec nous. Est-ce que vous me voyez? Oui, très bien. Luisa, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, ici, vous voyez notre salle de surveillance sismique de Rome, de l'Institut national de géophysique et volcanologie. Et donc, nous suivons l'activité sismique sur l'ensemble du territoire national. Nous les faisons surtout 24 heures sur 24, 355 jours. Nous avons deux experts, deux sismologues, un expert en tsunami et un expert plus technique. Auparavant, on travaillait tous ensemble, mais à cause de la pandémie, on est divisé maintenant. On n'est plus dans la même salle. Mais il y a aussi deux autres salles similaires à Naples et à Catane. Et elles sont consacrées au contrôle, au suivi des volcans. Donc, nous avons des outils que nous utilisons, c'est-à-dire notre réseau sismique national. Vous pouvez voir ici cette carte où il y a 150 stations sismiques qui enregistrent les données en temps réel. Ces stations se trouvent dans l'ensemble du territoire national et également dans certains pays de la zone méditerranéenne. Les signaux sismiques sont enregistrés en temps réel et elles sont envoyées à un centre d'acquisition des données qui se trouve derrière cet écran. Et ces centres élaborent tous les sismogrammes, c'est-à-dire les données et donc les mouvements du terrain. Donc, c'est un système automatique qui peut décider, par exemple, qu'il y ait un événement sismique car il y a des anomalies. Et nous pouvons donc localiser automatiquement l'endroit et avoir également une estimation de la magnitude. Si la magnitude est plus élevée que 2.5, la personne dans la salle appelle la protection civile et communique qu'il y a un événement ayant une certaine magnitude dans une partie du territoire italien. Quand le système automatique fait son travail, il y a ensuite le sismologue qui est ici dans la salle. Le sismologue contrôle ce qui a été fait par le système automatique. Donc, il acquiert toutes les informations, toutes les données sismiques. Il contrôle toutes ces données, il fait des estimations et ensuite, dans un certain temps,
au maximum 30 minutes. Il fournit une estimation définitive de l'emplacement de l'événement et de sa magnitude. Ces informations sont ensuite fournies à la protection civile, qui est notre interlocuteur principal, et sont ensuite distribuées sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les applications, à travers Twitter, par exemple. Et dans le cas de Twitter, s'il y a un événement que le système automatique décide est une magnitude supérieure à 3, eh bien, cette estimation est aussi fournie et communiquée à l'ensemble de la population sur Twitter. Donc voilà notre travail au quotidien. Luisa, tu nous as bien expliqué le mécanisme, mais combien de tremblements de terre sont-ils enregistrés en moyenne dans une année en Italie? Et aujourd'hui, combien de tremblements de terre avons-nous eu? Eh bien, cette question est intéressante, mais elle a un préjugé initial, c'est-à-dire que la sismicité change d'une année à l'autre. En moyenne, nous pouvons dire qu'il y a en moyenne 15 000, 20 000 événements ayant toute magnitude dans les territoires italiens. Nous pouvons voir ici les événements que nous avons eus dans les derniers mois en Italie. Mais la sismicité varie aussi d'une année à l'autre. S'il y a une séquence sismique en cours, la quantité de sismicité qu'il y a dans une zone peut changer fortement et peut même augmenter significativement dans une période de temps limitée. Par rapport à aujourd'hui, nous pouvons le voir même sur nos écrans, nous avons eu une sismicité assez tranquille, 13 tremblements de terre seulement, 12 ayant une magnitude inférieure à 2 et un tremblement de terre ayant une magnitude entre 3 et 4, spécifiquement 3.3 à 7h39 ce matin dans la province de Pesaro Urbino. Le dernier événement enregistré a été un événement de magnitude 2 dans la province de Lucca, en Toscane, ce matin. Donc, Luisa, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des tsunamis? Quelles sont les activités du Centre d'alerte nationale? Eh bien, notre salle sismique, depuis des années, fournit également des alertes par rapport à des tremblements qui sont enregistrés dans la zone méditerranéenne et qui peuvent potentiellement engendrer des tsunamis. Donc, ce que nous faisons, c'est avoir une série d'outils sismiques pour enregistrer la sismicité. Et si un tremblement de terre se trouve assez près de la côte, en profondeur possible, eh bien, nous, pour tous les tremblements de terre dans la zone euro-méditerranéenne ayant une magnitude supérieure à 5.5, nous envoyons une alerte à la protection civile de manière à ce que la protection civile puisse ensuite informer toutes les autorités compétentes. Et dans ce cas, en général, nous avons la possibilité de sauver les personnes qui se trouvent dans les zones qui peuvent être inondées, ou bien nous pouvons également fermer des ports ou prendre des mesures de sécurité appropriées. Merci bien, Luisa Valoroso. Je crois que ça a été très utile de voir exactement comment ça marche, le mécanisme de suivi, votre travail. Maintenant, nous allons présenter à notre groupe d'invités. Entre-temps, j'ai avec moi Fabrizio Pregliasco. Bienvenue. Il y a aussi Giovanni Gook. Bonjour. Il y a Luca Ferraris. Bonjour. Et Alessandro Amato. Avec vous, je vais aussi vous présenter un peu mieux, même si la plupart des personnes qui nous suivent vous connaissent. Avec vous, je voudrais essayer de voir, à la lumière de ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, eh bien, je voudrais essayer de faire un lien, c'est-à-dire nous avons écouté et vu ce qui arrive en cas de tremblement de terre ou d'inondation. C'est quelque chose
que nous allons expliquer un peu mieux. Et également, nous allons nous concentrer sur les infections en ce moment. Dans cette année et demie, nous avons appris à mieux connaître les taux d'infection, ces nuances, les problèmes liés. Donc, je voudrais partir de là avec Fabrizio Pregliasco, président de l'Association nationale d'assistance publique et virologue, donc l'une des personnes qui a été avec nous très souvent récemment, qui nous a aidé à comprendre comment nous protéger et comment protéger les autres. Donc, par rapport aux bonnes pratiques, Fabrizio Pregliasco, dans une période comme celle-ci où nous avons cette pandémie et la COVID, quelles sont les bonnes pratiques de santé publique que nous devons apprendre à conserver, même quand on l'espère, la pandémie ne sera qu'un souvenir? Eh bien, la pandémie restera dans notre histoire, dans nos souvenirs. J'espère qu'elle va rester dans notre mémoire, dans nos souvenirs. Car souvent, même dans le cas d'autres catastrophes telles que les tremblements de terre, on a vu qu'une fois le souvenir de la catastrophe perdue, on a recommencé à reconstruire des maisons sur la même zone. Et donc, le risque s'est reproduit, comme l'a rappelé Titi tout à l'heure. Et il y a eu d'autres urgences. Donc, les éléments de bon sens qui peuvent être considérés comme acquis, mais enfin, ces gestes liés à la COVID devrait continuer à être utilisé. Bien sûr, c'est quelque chose qui a totalement bouleversé notre vie. Il y a une incertitude qui a été créée. Et nous sommes même arrivés à un peu détester ces gestes. Et c'est quelque chose qui peut arriver même avec les tremblements de terre et les inondations. Il faut continuer à prêter attention. On en a marre après un certain temps quand il faut appliquer des mesures de protection. Mais ces mesures de protection doivent être maintenues à un bon niveau, au niveau correct. Par rapport à ces niveaux, je voudrais passer à Giovanni Grug, anthropologue de l'Université Naples 2. D'après vous, pourquoi le risque d'infection lié à la COVID, à cette pandémie, est-il différent par rapport à d'autres risques? Eh bien, je crois que la pandémie a au moins deux éléments qui la différencient des autres risques. Comme l'a dit également Pregliasco, nous avons tendance à perdre les souvenirs des catastrophes passées, car la seule chose que nous nous rappelons, c'est le fait d'avoir survécu. Et s'il y a des souvenirs, il s'agit de bons souvenirs, mais il faudrait se rappeler que ces risques existent toujours, que nous sommes à risque. La deuxième caractéristique de la pandémie, d'après moi, c'est le fait qu'elle est une pandémie invisible. Il y a des dizaines, des milliers de morts, des millions de morts dans le monde, mais ces morts ne sont pas visible. Il n'y a pas des ruines. Et il y a quand même un effet qui est une catastrophe, car la société est bouleversée et même l'effet des mesures contre la pandémie a été un effet qui nous a isolés. Nous sommes devenus plus vulnérables, plus seuls. Eh bien, ça, c'est un élément très important, d'après moi, à souligner et à rappeler. Alessandro Amato est un volcanologue de l'Institut national de géophysique et volcanologie. Alessandro, pouvons-nous dire que même un tremblement de terre est infectieux? Oui. Oui, les failles interagissent entre elles. Nous l'avons vu dans toutes les séquences en Italie quand il y a un tremblement de terre très fort. Ensuite, il y a d'autres tremblements qui sont des chocs suivants, qui sont même plus forts que le premier tremblement de terre. Cela est arrivé en 2016 après le tremblement de terre en août à Matrice. Nous avons eu le 30 octobre l'autre tremblement de terre. Et cela s'est passé aussi dans notre cas. Donc il y a ce phénomène et je crois que, en quelque sorte, nous l'avons un peu compris, car il y a eu plusieurs tremblements de terre ayant ces caractéristiques. Mais il y a également un autre effet que je voudrais citer, c'est-à-dire les effets des risques à cascade, des risques liés. Nous l'avons vu dans notre salle sismique, il y a aussi un risque de tsunami dans la Méditerranée dû au tremblement de terre, mais pas seulement, car il y a même
par des volcans qui peuvent collapser. Ça est arrivé à Tromboli l'année dernière. Donc, il y a des risques à cascade qui peuvent se produire, qui peuvent également s'ajouter les uns aux autres. Nous devons en être conscients. Cela fait partie de ce que Galante a dit tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il est important, même en n'ayant pas tous les mêmes compétences que vous avez, il est important de se demander ou construire une maison, si cette maison respecte ou pas certaines conditions requises. Cela devient une bonne pratique dans la vie de tous les jours. Et par contre, Luca Ferraris, qui est météorologue et climatologue de la Fondation CIMA au Centre international de suivi de l'environnement, pouvons-nous dire la même chose même pour les inondations? Ont-elles quelque chose en commun avec le coronavirus? C'est ce que Alessandro Amato vient de dire. Oui, le coronavirus et cette pandémie nous ont appris le concept de risque zéro. C'est-à-dire, si nous voulons un risque zéro, nous devons nous fermer chez nous et ne plus vivre. Un autre concept, c'est par contre un risque durable, un risque modéré, cela veut dire prendre une série de précautions, comme l'a dit Monsieur Postiglioni, de manière à avoir un risque acceptable. Je fais aussi un autre exemple. Si on veut risque zéro dans les cas d'accident routier, eh bien, il ne faut pas conduire. Mais si nous devons conduire, de toute manière, qu'est-ce qu'on fait? Il faut attacher la ceinture de sécurité, essayer de ne pas dépasser les limites de vitesse. Et c'est là même dans les cas des inondations. Et c'est la même chose. Nous devons penser à l'avance aux mesures à prendre afin de ne pas prendre des risques, donc pour vivre avec le risque. Monsieur Pregliasco, cela nous amène à une dichotomie, un binôme qui est intéressant et que je voudrais approfondir. En particulier, je voudrais approfondir un aspect. On parle des vaccins depuis une année et demie, heureusement. On parle également de soins et peut-être vous pouvez nous expliquer un peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, leur efficacité, nous l'avons entendu dans d'autres domaines, comme l'ont dit M. Ferraris et M. D'Amato. Pourquoi les vaccins et les soins sont-ils différents? Eh bien, en se reliant à la question des tremblements de terre, des catastrophes, la solution, c'est agir efficacement avec les armes que nous savons, c'est-à-dire les thérapies, utiliser la prévention, donc éviter les infections et utiliser les vaccins. Et on parle aujourd'hui de la difficulté de faire de la prévention et de la résilience. Eh bien, les vaccins suivent la même approche. Quand nous nous portons pas très bien, nous ne lisons pas les instructions sur un médicament. Et pour les vaccins, c'est la même chose. Les vaccins ne sont pas des aliments tout simplement, mais peut-être il faut penser au fait que la COVID, qui est une maladie qui n'est pas très grave dans la plupart des cas, mais nous devons penser quand même que les vaccins sont importants, car cette maladie se répandit, car elle est sous-estimée, donc elle devient plus difficile, plus à risque, et donc nous devons identifier des éléments, même de solidarité, et nous devons prendre soin de nous, de notre famille, de notre communauté, et c'est exactement la même chose que nous devons faire en tant que citoyens actifs, professionnels, qui font attention aux risques liés aux catastrophes, aux urgences de notre territoire, de notre pays. Et c'est là même contre ce virus, car c'est une lutte continue de l'homme contre les virus, contre les animaux. Eh bien, vous avez utilisé un mot qui est important, car souvent on tend à banaliser les choses et prévenir mieux que traiter. C'est un slogan. Et bien sûr, une chose importante, et j'espère qu'on peut en parler également avec M. Ferraris. Ce risque est très évident dans votre domaine. Oui, tout à fait. Même car, si on y pense, l'eau, c'est la vie pour nous.
vivons avec l'eau. Donc l'eau est associée à toute une série d'éléments positifs. Par contre, l'eau des inondations a des caractéristiques tout à fait différentes. C'est l'eau qui tue. Fabrizio De André chantait « Tornare dei passanti ». Donc la difficulté par rapport à d'autres risques, par rapport aux risques sismiques, le feu de bois, eh bien nous avons peur. Et parfois l'eau ne nous fait pas peur, mais il y a aussi un autre concept, c'est-à-dire que notre société a tendance à éliminer le concept de peur. Mais nous apprenons à nos enfants à ne pas avoir peur, mais c'est une faute, car la faute c'est un état d'âme important qui nous prépare, qui prépare nos enfants de manière à arriver préparés. Tu es d'accord ? Oui, tout à fait. Je voudrais également ajouter une chose. Il y a des risques qui sont un peu moins, comme l'a dit M. Ferraris, visibles peut-être, car ils n'ont pas l'impact d'un tremblement de terre. Mais d'autre côté, il y a aussi des risques qui sont un peu rares. En Italie, nous avons un tremblement de terre tous les 5-6 ans, un tremblement de terre fort, mais ces tremblements de terre sont concentrés dans des zones spécifiques. Donc nous regardons les images à la télé et nous sommes préoccupés quand nous les voyons. Mais si ces tremblements de terre sont loin de nous, nous avons tendance à nous désintéresser de ces tremblements de terre, à penser que ce risque est loin de nous. Mais ce n'est pas comme ça, car si on regarde la situation dans les 20-30 dernières années, des tremblements de terre sont arrivés dans presque toutes les régions. Donc il s'agit d'événements rares, mais quand ils arrivent, ils représentent un vrai désastre. Donc c'est vraiment difficile. Nous avons même vérifié avec des études sociales. On l'a fait par exemple dans les sud de l'Italie. Nous avons étudié la perception du risque. Nous avons vu qu'il y a des zones où il y a encore le souvenir du tsunami de 1908, même si plusieurs générations ont passé, car il y a des événements pour rappeler cet événement. Par contre, il y a d'autres zones où il y a eu des tremblements de terre forts et des tsunamis importants, mais on pense que ces risques n'existent pas. Donc, il y a même le risque d'oublier. Et ce risque a été mentionné, et ça arrive même avec le pandémie. Je suis vraiment intéressée à connaître l'opinion de Giovanni sur ça. Pourquoi? Alessandro Onorato a dit « Nous avons tendance à penser que ce risque est loin de nous. » Mais pourquoi avons-nous une attitude différente sur la base des expériences que nous avons eues, des territoires où nous vivons? Pourquoi? Car le risque est un produit historique et social. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, aussi à partir des relations internes à la communauté. Donc, pas toutes les communautés répondent de la même manière. Pas tous les risques sont pareils. Alessandro a bien dit qu'il y a une mémoire locale des événements. Et parfois, cette mémoire a des formes particulières. Par exemple, l'autre jour, le 22 octobre, c'est la fête du saint patron de Torre Annunziata. Il y a la statue de la Vierge qui est amenée dans la ville. Et d'après le calendrier catholique, c'est le 5 août. Mais là, on la fête le 22 octobre pour se rappeler que ces jours, en 1822, on avait fait ce tour avec la Vierge à cause du volcan. Et donc, on en a beaucoup de ces exemples. Parfois, nous ne les reconnaissons pas car nous n'avons pas compris leur signification profonde. Giovanni, penses-tu que cette année et demie de pandémie a changé notre rapport avec les lieux? Par exemple, nous regardons les villes de manière différente et nous regardions la campagne de manière différente. Je ne sais pas si ce sentiment est disparu entre-temps et je ne sais pas si cela va laisser un signe en nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas enquêter peut-être de l'avenir? Mais ce que je veux te demander est ça. Qu'est-ce que cela a causé
a provoqué dans notre perception, je veux dire, cette différente sensation du paysage et du lieu dominé par le risque, aussi avec une sensation d'impuissance, de peur, la peur que, comme Luca l'a dit très bien, est utile parce que nous devons toujours être alerte. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Les désastres les plus classiques causent un changement du paysage, une éruption volcanique détruit tout. Le tremblement de terre détruit tout. Et avec la pandémie, cela ne s'est pas passé parce que rien n'a écroulé. Il y a eu un paradoxe. Il y a eu les animaux dans les villes ont respiré à nouveau. Donc il y a eu une sorte de nous nous sommes sentis tous seuls et plus fragiles, mais nous avons essayé de répondre à cette segmentation en préservant la socialité. Au début, on disait qu'on devait respecter la distance sociale, mais c'est un terme qui n'est pas correct parce que, en effet, c'était une distance physique et pas sociale. Tandis que, de manière sociale, nous n'avons pas créé de la distance parce qu'il y a eu les applaudissements des terrasses, il y a eu les réunions en ligne. Donc voilà des stratégies pour survivre à la solitude et à l'incertitude qui a caractérisé cette période. Et personnellement, j'ai organisé beaucoup de fêtes et dîners sur Zoom et c'est quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui aussi parce qu'une journée très riche comme celle d'aujourd'hui qui se déroule dans des places différentes, quelque chose qui est possible grâce aux outils qui existaient déjà, mais qu'on n'utilisait pas beaucoup de manière sociale. Mais, Giovanni, Luca a mentionné une chose essentielle de cette année et demie, presque deux années, la fragilité. Brigliasco, nous avons découvert que nous sommes fragiles et nous avons demandé à la science et à la médecine de faire face à nos fragilités, à nos incertitudes. Nous demandions des réponses, certes, nous avions besoin de cela, mais en effet, le processus scientifique ne fonctionne pas de cette manière. Tu as participé à beaucoup de programmes télévisés, tu as expliqué la complexité de ce processus, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de manière différente ou est-ce qu'il était inévitable de se retrouver si ignorant? Il y avait un plan d'urgence pour cette urgence, mais il est très difficile de mettre à jour ce type de planification parce que chaque catastrophe a ses caractéristiques et la pandémie a été très difficile à cerner. Sûrement, quand dans tous les domaines de la science, nous courons après la nature et la nature a un avantage et à ses temps. Et nous cherchons toujours des bonnes nouvelles, mais cela n'est pas toujours possible. Les réseaux sociaux se sont révoltés et contre nous, ils nous ont frappés. Ils ont frappé les experts, les épidémiologues, dans une situation très difficile qui montre que nous devons améliorer nos capacités de communication parce qu'avec la pandémie, il y a eu la pandémie des informations, une infodémie, et donc c'est là quelque chose qu'il faut prendre en considération pour les urgences futures. Donc merci pour cette discussion pendant laquelle vous avez fourni des orientations sur ce domaine. Je voudrais remercier tous les participants à cette discussion. Maintenant, il y a quelque chose de très important à la lumière de ce que je disais auparavant, la possibilité de se relier, d'utiliser des formes de narration et visuelles différentes. Maintenant, il y a un voyage avec quatre étapes en Italie. Un vrai voyage de trekking dans les villes interurbaines où on pourra
voir le paysage qui s'est transformé à cause des événements qu'on a mentionnés maintenant. Et il y a deux cas emblématiques de transformation très radicales quelquefois, comme l'avait dit Giovanni et Gug. Grâce à la contribution de nos bénévoles, il y aura un voyage qui nous permettra de découvrir des bâtiments, des œuvres d'art qui nous font penser aux événements très significatifs pour notre histoire. Maintenant, l'histoire de deux villes qui ont été touchées par le tremblement de terre d'Avezzano de 1915. Le 13 janvier 1915, un tremblement du 11e degré Mercalli a touché le territoire de la Marsica avec plus de 30 000 victimes. Cela avait été annoncé en avance par des phénomènes étranges, des gaz qui sortaient de la terre et les eaux depuis qui étaient brûlant soudainement. Et le résultat du tremblement des terres a été désastreux et des villages et des villes ont été complètement détruites. Donc, on a visité les lieux quelques jours après. Cela a été un apocalypse. Une apocalypse. Après un siècle, on peut encore voir les restes de ces villages, comme par exemple près de Gioia de Marsi et Astieri, et très près de Lecce de Marsi. Ici, le tremblement de terre a provoqué de centaines de victimes et a obligé les habitants survécus à aller vivre plus en bas. Dans la municipalité de Gioia de Marsi, il y a le village originaire Torre Sperone qui se trouve dans une panoramique sur Monte Serrone. Son territoire de montagne est traversé par la faille qui a causé le tremblement de terre catastrophique. Le village près de la tour a été presque complètement détruit. Le village de Sierri se trouve dans la municipalité de Lecce de Marsi, un monde extraordinaire de pierre et qui vise vers le ciel. C'est un paysage de désolation et de ruines comme un monument futuriste qui nous rappelle la tragédie. Donc une terre désolée mais très belle. Hein? Voilà la terre que nous avons vue. Et cela est la valeur des contributions comme cette première étape dans cette voyage de ce matin. À mon côté, il y a Francesca qui surveille et qui travaille vraiment partout. Oui, comme tu le sais, il y a eu plus de 400 événements en Italie dans les places physiques et numériques. Moi, je surveille les réseaux sociaux et je reçois beaucoup de photos et de contributions des bénévoles qui ont commencé à travailler dans les places. Ici, par exemple, il y a les messages de Siena, d'Imola, qui sont très excités par cette initiative. Il y a des photos, mais je voudrais profiter de ce moment pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos contributions, vos photos et toutes les activités que vous menez dans les places numériques et physiques avec hashtag #IoNoRischio2021. Et je vous invite aussi à regarder les réseaux sociaux parce que nous avons publié un lien où vous pouvez mener un test sur les comportements en cas de risque naturel. On va parler de cela à la fin de cette matinée. Donc, je vais
est avec nous, répondez aux questions et après on va parler de cela à nouveau. Je veux participer au test moi aussi, Francesca. Maintenant, allez le voir, allez le lire. Je vous invite à le lire. Maintenant, il y a un autre hôte en ligne, Mario, Monsieur Mario Tozzi. Bonjour, bonjour Mario. Ben ritrovato. Fantastico. Ecco, adesso si inquadra benissimo anche il logo, il volantino. Voilà le logo de Je ne risque pas. Où es-tu? Je vois un paysage magnifique. Oui, c'est une journée magnifique. Et on pense à ces thèmes. Ce sont des choses que j'ai cherché à raconter très souvent. Donc, il faut essayer toujours de parler de ces choses, oui. Géologue du Conseil national de recherche, voilà quelqu'un qui nous aide toujours, tous les jours, à interpréter notre relation pas très positive et utile avec les lieux et les espaces et les phénomènes et les changements. Mario, ce matin, nous parlons démocratique, de protection civile, surtout en relation au risque de tremblement de terre, d'inondations et d'éruptions volcaniques. Ce sont des phénomènes qui ont toujours existé bien avant de l'homme. On pense que les problèmes ne sont pas vraiment les phénomènes naturels, mais la façon avec laquelle nous les approchons. Oui, sûrement. Il n'y a pas des tragédies naturelles. Il n'y a que des événements naturels qui deviennent des catastrophes. Et il y a aussi de nouvelles catastrophes qui ont été provoquées par les hommes. Donc, la faute des hommes, c'est la faute des hommes. Par exemple, c'est la manière de bâtir des maisons, par exemple, qui crée des catastrophes, par exemple. Et oui, il y a les astéroïdes, mais toutes les autres choses dépendent de nous. Donc, il y a des, par exemple, désastre signifie, son étymologie est celle-ci, événement qui ne dépend pas des astres. Donc, c'est quelque chose qui est causé par le destin. Mais je pense qu'on doit abandonner cette définition parce que, en revanche, si nous ne voulons pas risquer, il faut connaître avant tout et après, nous devons prendre des mesures pour vivre de manière naturelle, harmonique, en harmonie avec la nature. Il y a un mot-clé qui peut nous aider à interpréter ce que nous avons vécu pendant la pandémie, mais aussi cela peut nous aider à nous comporter de manière différente. La parole, le mot est, clé est protection de l'environnement, de l'espace, donc protéger, soigner les lieux et les personnes. Voilà la première étape vers des comportements vertueux et des bonnes pratiques. Mario, n'est-ce pas? Oui, absolument. Protection, maintenance, soins. Voilà des pratiques qui étaient normales dans le passé parce qu'il était compliqué de vivre dans certaines régions. Donc, il y avait une sorte de pacte. Et quand il y avait les inondations, par exemple, en Ligurie, il y avait peu de personnes, mais elles étaient limitées par les forêts. Mais sans les forêts, et avec les terrasses pour les oliviers et autres choses. Donc, il y a un pacte. Mais quand dans ce pacte, on décide, mais quand on décide d'abandonner le pacte avec la nature, on se concentre sur le tourisme, on ne protège plus la nature. Et cela s'applique à beaucoup de zones dans notre territoire. Donc, à ton avis, pendant cette année de pandémie, nous avons vu des attitudes de négligence pour ce qui se passait, peut-être aussi à cause de la fragilité des êtres humains que nous avions mentionnés.
Et donc, cela a été aussi une réaction à la peur. Très récemment aussi, il y a eu des comportements très dangereux pour la sensation de la collectivité. Donc, la négation pour ce qui concerne la pandémie et la science, mais aussi des changements climatiques. Donc, il y a un négationnisme. Oui, oui, je pense que tu as raison. Quand le phénomène a des implications sociales, tout le monde devient des professeurs, mais ils ne savent rien des méthodes scientifiques. Ils deviennent tout savants et ils pensent qu'on peut s'occuper de la science comme on s'occupe du football. Voilà ce qui se passe avec la pandémie, avec le changement climatique. Tous les scientifiques savent qu'il y a un changement climatique en cours et que cela dépend des activités des hommes. Tous les scientifiques pensent cela, mais beaucoup de personnes pensent que les scientifiques ne sont pas d'accord sur cela, mais cela n'est pas vrai. C'est là quelque chose qu'on comprend seulement dans la communication de masse, mais en tout cas, il y a toujours un Galilée qui a des opinions différentes. Mais les données sont là, les théories sont là aussi. Et il y a le rapport IPCC. Les responsabilités de l'homme sont très claires. On ne peut pas avoir de doute sur cela. Donc voilà la situation. Mais les personnes, mais il y a un négationnisme vis-à-vis les vaccins et la science en général aussi. Naturellement, la science ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais c'est la manière la meilleure de faire face aux problèmes actuels. Pourquoi cela se passe selon toi, à ton avis? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ignorantes. Il y a l'analphabétisme fonctionnel, c'est-à-dire que les personnes sont capables de lire et d'écrire, mais ne sont pas capables de comprendre un article ou de résumer ce qu'on dit pendant un programme télévisé. Les personnes pensent que les sciences ne sont pas culture. Tandis que on devrait mettre en valeur les sciences et l'humanisme. Il y a d'autres sociétés où on privilégie les informations scientifiques. Et il y a aussi des personnes qui ont des buts négatifs dans le cas du climat. Il y a aussi des personnes qui ont leurs propres intérêts. Et donc, ils nient le changement climatique, comme par exemple les personnes qui sont dans les secteurs des carburants. Ils ont leurs intérêts. Oui, comme tu l'avais dit, en Italie, on privilégie la culture du type de Croce et de Gentile qui nous porte à négliger les aspects scientifiques. Mais la pandémie peut-être a changé quelque chose et un événement comme par exemple le Nobel au professeur Paris, il va changer les choses peut-être. Peut-être on va saisir cette opportunité pour faire avancer notre culture scientifique de base quotidienne. Même si nous ne sommes pas des scientifiques, nous pourrions comprendre davantage les sciences. Donc, quel message veux-tu envoyer? Il y a beaucoup de bénévoles dans les places, pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans les places, qui travaillent dans des campagnes très importantes comme cette campagne ici pour la sensibilisation. Ouais, j'ai seulement un message. Il faut continuer à travailler de cette manière. Nous ne devons jamais renoncer à faire cela pour ce qui concerne la communication et aussi les actions concrètes. Parce que si on travaille sur ces thèmes et si
Nous nous habituons à se comporter d'une certaine manière. Nous pourrons éliminer une grande partie du risque. Nous devrions apprendre à éliminer, à abandonner les pratiques erronées. Et il n'y a pas de risque immédiat peut-être, mais il faut s'habituer aux bonnes pratiques. Et donc, je remercie les bénévoles et je leur demande de continuer à travailler de cette manière. Merci beaucoup, Mario Tozzi, pour avoir participé à cette journée. Je ne risque pas, mais maintenant, il faut aller voir les places, ces places, et regarder les lieux très dynamiques maintenant pour voir le travail mené par les bénévoles dans les places d'Italie. J'ai une liste très longue du nord au sud de l'Italie. Je veux voir toutes les personnes qui travaillent maintenant et qui sont disponibles. On commence par Rome. Donc voilà Rome. Je pense que nous pouvons voir Rome à travers Zoom. Salut. Bonjour. Qui es-tu? Bonjour, je suis Stéphanie Arange, je suis une bénévole de l'association AIDEM, l'association des ingénieurs volontaires bénévoles pour les urgences. Je tiens beaucoup à cette campagne parce que je suis une formatrice ici, donc je la vis de l'intérieur cette année. C'est un vrai plaisir d'être dans une place et c'est un test d'une nouvelle campagne. C'est quelque chose que nous adorons. C'est un défi technologique aussi pour parler dans les places physiques et aussi dans les places numériques. Donc, c'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu magique et donc nous avons choisi ce lieu spécial, l'Arco di Costantino, il y a le Colisée, qui est l'icône de notre ville. Mais dans cette campagne, cela est très important pour un autre aspect. Le Colisée a des dommages causés par un tremblement de terre ancien. Donc, quand je le dis toujours, quand je rencontre des citoyens qui nous disent qu'à Rome, on ne peut pas voir de tremblement de terre, je leur dis, mais avez-vous vu le tremblement de terre et ses effets sur le Colisée? Et donc, voilà une image iconique de notre ville. Et cela montre que le risque existe. Donc, avec la prévention, nous pouvons faire face à ce risque. Et donc, maintenant, là, il y a un problème de connexion. Mais en tout cas, son message était très clair. On peut faire beaucoup, on peut faire davantage. Tout le monde peut faire davantage. Voilà le sens, le message de cette journée. Je ne risque pas. Moi, je ne risque pas. Peut-être maintenant, nous avons la place de Trieste. Il y a une collègue. Maintenant, on parle avec Trieste à travers Facebook. Donc, il y a ce type de problème sur le territoire. Il y a le risque d'inondation. Je suis désolée, mais la connexion, le son n'est pas clair. Il y a la question de la prévention. Il n'est pas possible d'interpréter parce que le son n'est pas clair. Je vais essayer d'interpréter ce que j'arrive à entendre, même si le son n'est pas clair. Donc, avant tout, on devrait s'occuper d'un tank pour le filtrage des eaux. De cette manière, on pourrait remonter dans Corzano.
avec les... Mais cela n'est pas adéquat. Mais le système qui existe maintenant n'est pas adéquat au territoire et aux œuvres sur les territoires, aux bâtiments sur les territoires. À travers les deux interventions. Je suis désolée, mais le son n'est pas clair. Il n'est pas possible d'interpréter. Je suis désolée, mais le son n'est pas clair. Il n'est pas possible d'interpréter. Donc voilà ce qui se passe dans la place numérique. Voilà Cortano dans la province de Lecce en Puglia. Et après, on pourra voir aussi les autres places, la prochaine place, la prochaine étape nous mène en Sicile, à Lipari. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes à Lipari, dans la place installée dans le centre historique de l'île, la plus grande de l'archipel. Nous savons que ces îles ont une nature volcanique et elles sont exposées aux tremblements des terres, ras des marées. Au fil des années, le volcan Stromboli, un volcan toujours actif, a eu des éruptions et des paroxysmes qui ont attiré des touristes compte tenu de la spectacularité de la lave, mais cela représente aussi un danger pour l'île et ses habitants. Récemment, même le volcan de l'île, qui a le même nom, s'est réveillé après plus de 100 ans. Et il y a eu des phénomènes, malgré ce que les experts ont dit par rapport au gaz. Ce phénomène est très évident et on ne peut pas nier que contre la nature, personne ne peut prévoir de manière exacte la nature de ces événements, de ces catastrophes. Donc les citoyens, même les plus petits et les plus âgés, ceux qui connaissent très bien les lieux, et il faut connaître les bonnes pratiques des protections civiles pour connaître les comportements à adopter en cas de catastrophe. Notre motto sera, si on ne peut pas l'éviter, alors il faut apprendre à le combattre. Et donc, il faut remercier toutes les places en Italie et toutes les bénévoles de la place de Lipari qui, avec passion, nous aident à diffuser des pratiques de protection civile. Je remercie tous et au revoir à la prochaine année avec la campagne « Io non rischio, je ne risque pas ». Merci aux bénévoles de Lipari, de l'association Multirisque. Merci aux bénévoles à Rome. Et maintenant, nous avons notre association dans les marches. Non, ils ne sont pas connectés. Alors, entre-temps, Francesca, je ne sais pas si tu as des informations. Oui, on voit qu'il y a des préparatifs qui sont en cours dans les places. Et tu sais que les bénévoles sont les mieux placés à donner des informations aux citoyens car ils sont eux-mêmes des citoyens dans les territoires où ils travaillent. Dans la Toscane, on nous salue. Il y a un trekking urbain qui vient de commencer. Je vois le maire de Carmagnola qui est connecté. Ici, dans la région du Piémont, donc,
On reçoit vraiment beaucoup de contributions de la part des places physiques et numériques. Oui, je vois maintenant la place d'Ancône. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est connecté. Bonjour. L'audio est très mauvais, mais nous pouvons voir les images. On va voir si on arrive à améliorer l'audio. Julia? Ces places numériques, Francesca, sont intéressantes pour cette raison. Nous pouvons voir les gens qui se promènent, qui reviennent dans les places. Et ici, on les voit physiquement. Donc, c'est émouvant. Cette année, mais aussi l'année dernière, il y a eu un travail magnifique qui a été fait pour les places numériques. Mais il y a aussi les personnes qui sont présentes dans les places physiques. Donc, cet engagement pour la création des contenus, pour diffuser cette culture du risque et de la prévention. C'est une activité très importante. Il y a aussi beaucoup de messages de personnes enthousiastes pour cette initiative en direct, des contributions pour le débat. Il y a beaucoup de personnes. Je vous rappelle le hashtag Io non rischio 2021. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont commenté le débat. Les personnes sont vraiment enthousiastes de Titi Postiglioni, Ezio Galanti et Mario Draghi, qui est intervenu, les chefs du département. Oui, car en fait, nous avons eu beaucoup d'interventions et d'invités ayant des compétences différentes. Et c'est là, je crois, je peux même stimuler la curiosité et la participation de beaucoup de personnes. Donc voilà notre intention. Et donc c'est cette richesse des personnes, mais aussi des contributions, cette envie d'ouvrir, d'arriver dans les places, de voir ce qui se passe. Et aussi parler de certaines parties du territoire, de l'histoire, telle qu'on l'a fait tout à l'heure. Eh bien, on veut reprendre. Nous avons une deuxième étape dans notre trekking intérieur 1. Nous parlons d'événements très différents. La grande éruption du Vésuve en 1631 et la riche histoire d'inondation de Florence. Ceux qui ont vécu ces éléments ont voulu laisser une trace, une mémoire. C'était un vendredi, le 4 novembre 1631, quand l'Arne a inondé toute la ville de Florence. L'eau est arrivée jusqu'à 5 mètres. Beaucoup de musées, de rues, y compris les offices, la basilique de la Sainte-Croix. Florence n'a pas oublié cette inondation et les autres événements précédents. Il y a des plaques en marbre qui ont été installées. Nous sommes à Via San Remigio et ici il y a deux plaques commémoratives des inondations. Ces deux inondations ont été très fortes et c'était toujours le 4 novembre. Ces inondations très fortes, sont arrivées en 1577 et 1844. Dans ces occasions, la ville a été frappée, y compris les alentours de la ville, le Mugello, etc. Nous sommes rue Saint-Giuseppe, d'une des rues qui a été inondée en 1966. Ici, il y a une plaque commémorative qui rappelle un moment tragique de ce jour. Elie de Benedetti, une jeune handicapée, habitait là, et le prêtre l'a
accompagné jusqu'à son dernier moment. La statue de Dante, inaugurée par Victoire Emmanuel II en 1965, à l'occasion des 100 années de la naissance de Dante, a été endommagée à cause de l'eau. Elle a été donc démontée en 1968 et montée à nouveau à côté de la basilique de la Sainte-Croix en 1972. C'est l'année de la grande éruption du Vésuve, peut-être l'une des éruptions les plus fortes du volcan, une éruption qui est arrivée jusqu'à Portici San Giorgio Torre del Greco, jusqu'à Bosco Reale. Donc, une chose épouvantable qui a créé le chaos chez la population. La population qui était composée de centaines de milliers d'habitants. Ça a été un événement insolite. Personne ne savait ce qui se passait ou bien les effets de cette éruption épouvantable. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'épitaphe qui a été réalisée en latin et ensuite traduit en italien sur une plaque qui se trouve à côté. Et ici, on fournit des indications. Cela a été un premier avertissement aux populations de prêter attention, de faire attention aux effets. Voici la deuxième étape de notre voyage qui nous a menés entre Florence et Naples. Mais les risques, ce n'est pas seulement un risque pour l'Italie. Avec les politiques européennes de voisinage, il y a une collaboration avec le Maroc et l'Algérie pour renforcer les campagnes de communication. Et les projets pour les politiques européennes et les voisinages de protection civile voient l'engagement du département de la protection civile pour renforcer les capacités d'Algérie et Maroc dans le lancement de campagnes de sensibilisation, mais aussi sur ces thèmes, sur les bonnes pratiques, sur l'éducation à travers des échanges et de projets tels que celui-ci. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'on a organisé la participation des autorités de la protection civile de Maroc et Algérie aujourd'hui. Et donc, c'est un plaisir pour moi de saluer le commandant Kamal Beynache qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Kamal Beynache est le chef de la division de secours de la Direction générale de la protection civile du Maroc. Je le vois en direct. Bonjour, commandant. Commandant Danesh, dans le cadre du projet en cours avec la protection civile italienne, vous avez eu la possibilité de connaître comment on mène des campagnes telles que celle-ci en Italie. Pouvez-vous nous dire comment sont organisées les campagnes nationales de sensibilisation et de participation dans votre pays au Maroc? Il y a un problème technique pour l'audio. Nous entendons la voix de l'interprète, mais peut-être la voix du commandant n'arrive pas. On va voir donc si on arrive à régler ce problème. On essaye à nouveau. Je ne sais pas si l'interprète... Vous m'entendez maintenant, c'est bien? Oui. Très bien. Donc, avant tout, je voudrais remercier la protection civile italienne qui nous a invités à cette journée internationale de sensibilisation en Italie. Et par rapport à votre question, oui, bien sûr, il y a des campagnes de sensibilisation dans notre pays. Tout d'abord à travers des visites au département de la protection civile et ces visites sont destinées aux instituts d'éducation, aux étudiants, aux écoliers et pour deux raisons. Tout d'abord,
Les écoliers, les étudiants sont très motivés et ils arrivent à absorber les informations les plus importantes, même de manière plus efficace par rapport aux adultes. Donc, si les écoliers et les étudiants, à leur tour, arrivent à transmettre ces informations à leur famille, à la maison, etc., à tous ceux qui ont pu voir à l'intérieur de la protection civile, on arrive à sensibiliser l'ensemble de la population. Ensuite, il y a des campagnes avec les instituts publics spécifiques, par exemple, les instituts qui s'occupent d'inondations, de forêts, etc. Donc, la protection civile marocaine, avec les institutions compétentes, peut lancer des campagnes de sensibilisation pour le grand public à travers la diffusion de dépliants d'informations, des brochures. Et nous investissons également dans des systèmes de communication de masse tels que des canaux télévisés, des radios nationales. Nous utilisons également les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre le grand public. Et nous réalisons des capsules, de petites interventions dans les programmes télévisés, et nous lançons également des programmes d'information à travers une série d'interviews télévisées ou à la radio pour parler des risques, des comportements à tenir pour prévenir ces risques. En outre, vous savez, il y a la journée porte ouverte le 1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile. Et lors de cette journée mondiale, la protection civile ouvre ses portes au grand public. En outre, nous avons créé des espaces de sensibilisation, surtout dans la région de Casablanca. Il s'agit d'un projet pilote qui sera diffusé ensuite dans les autres régions du pays. Cette salle permet d'accueillir les étudiants et les grands publics pour sensibiliser sur tout type de risque. En outre, nous avons réalisé également des campagnes destinées au secteur public et privé pour sensibiliser les acteurs dans ce secteur. Cela nous permet de sensibiliser le grand public à travers la collaboration de certains organismes. Donc, on peut noter qu'entre 2018-2014, en partenariat avec la Suisse, nous avons réalisé une activité de formation pour faire face à des risques sur les territoires, donc un projet de bénévolat, et de cette manière, les habitants dans les quartiers ont pu bénéficier de certaines actions et nous avons pu réaliser ensuite la sensibilisation du grand public. Et ensuite, nous avons un site internet, un portail de la protection civile qui permet aux visiteurs de recueillir des informations sur les risques et de lire des articles et des brochures. D'ici peu, on va créer également des modules pour la sensibilisation pour des endroits spécifiques. Je vous remercie de votre question. Merci, commandant Kamal Beynesh, pour nous avoir raconté comment les campagnes nationales de sensibilisation sont organisées au Maroc et comment vous participez à la journée mondiale de la protection civile. Et merci également de vos mots. Je voudrais maintenant vous demander quels sont les risques principaux auxquels vous êtes confrontés. Pour ces campagnes de sensibilisation, nous nous concentrons sur les risques naturels, surtout, c'est-à-dire les inondations qui font partie des risques principaux dans notre pays, et sur les feux de bois et également les tremblements des terres. En outre, nous occupons également des risques domestiques, c'est-à-dire les accidents sur les lieux de travail, à la maison, dans les écoles.
et également les risques dans le temps libre, par exemple les risques liés à la saison estivale. Merci. Merci encore, commandant Kamal Beynesh. Merci de votre travail et je vous souhaite un bon travail au département de la protection civile au Maroc. Entre-temps, ici sur le plateau, deux autres invités sont arrivés. Giovanni Goug, qui est assis ici à ma gauche, et ensuite Filippo Terry. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous donne la bienvenue. Giovanni, je l'ai déjà présenté tout à l'heure. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, il est anthropologue à l'Université Federico II de Naples. Filippo est un physicien de la protection civile. Et avec vous, je voudrais parler du cœur du discours qui est important également pour le grand public. C'est-à-dire... À quoi ça sert la communication du risque? Nous avons commencé à expliquer pourquoi nous avons des attitudes différentes par rapport au concept de risque, de peur, de rapport avec les catastrophes, les désastres, ou bien aussi avec la pandémie. Mais avant, il y a toujours un moment de prévention, comme les premiers invités l'ont dit, y compris M. Galanti. Et il y a aussi une phase de communication. Donc, Filippo, je voudrais commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est la communication du risque? Comment doit-elle être menée? Pourquoi c'est important? Eh bien, la communication du risque est pratiquement la communication de probabilité. Donc, ce n'est pas une communication qui nous donne une certitude par rapport au passé, mais elle nous donne des scénarios possibles futurs. Un futur qui peut être très proche, c'est-à-dire dans les heures à venir, dans les jours à venir, ou un avenir à plus long terme. Donc, il n'y a pas un seul scénario, il y a une série de scénarios, chacun avec ses incertitudes. C'est comme une histoire sans une fin précise. Et donc, le but ici, c'est protéger les personnes dont nous sommes responsables, par exemple les enfants, les personnes âgées. Donc, nous sommes les protagonistes de cette histoire avec notre valeur la plus précieuse de notre vie. Et nous pouvons contribuer. Nous avons un rôle important à jouer. Nous pouvons choisir le final de cette histoire. Nous devons donc reconnaître le danger, voir quels sont les phénomènes dangereux qui peuvent être prévisibles et comment les prévoir. Nous devons être conscients des risques qui en découlent en termes de vulnérabilité pour notre territoire. Donc tout d'abord les dangers, ensuite la vulnérabilité et en troisième lieu les valeurs, les biens exposés aux risques, y compris notre vie, donc les bonnes pratiques de protection civile, les comportements d'autoprotection qui nous permettent de choisir ce final, le final de cette histoire. Entre-temps, Filippo, nous avons avec nous deux autres invités. Je les vois ici, Chiara Fogno et Valentina Bissi. Bonjour. Chiara Fogno est chercheur aux Pays-Bas, à Amsterdam, et Valentina Bissi est journaliste. Valentina, je voudrais commencer avec vous et je voudrais également vous demander, d'après ce que vous avez pu observer dans cette année demi de communication de risque par rapport à la pandémie, comment les moyens de communication et les médias peuvent-ils et doivent-ils contribuer à une correcte culture du risque en Italie? Eh bien, en parlant de pandémie, mais également de tous les faits qu'on raconte tous les jours dans notre pays, je crois que les nouvelles sont divisées en deux domaines. Les nouvelles qui concernent les faits déjà accomplis et les faits qui pourraient se produire. Donc, dans le premier cas, on raconte les faits, ce qui s'est passé. Donc, les spectateurs sont plus sensibles, car il est dedans la nouvelle, il veut en savoir plus. Et en ce moment, la sensibilisation du spectateur est bien sûr très élevée. Le spectateur veut comprendre quels sont les scénarios par rapport
Par contre, les nouvelles qui concernent ceux qui pourraient se produire représentent le vrai défi de l'information, c'est-à-dire raconter aux spectateurs de manière consciente ce qui pourrait se produire. Pendant la pandémie, cela a été très compliqué. J'étais modératrice et je me rappelle dans mon programme que je devais parler d'une épidémie dont on n'avait pas assez d'informations et nous avons dû choisir les bons interlocuteurs pour pouvoir compter un événement ayant une envergure mondiale. Donc même le choix des invités, des médecins, des personnes qui savaient ce qui était en train de se passer a été vraiment capital. Et donc nous nous sommes trouvés à affronter, aborder une série de thématiques qu'on abordait pour la première fois avec les spectateurs. Et donc, on a essayé d'avoir un rapport de confiance avec les spectateurs. On a essayé de raconter ce qui se passait. Et on a essayé de raconter les faits sans trop d'alarme, sans trop de sensationnalisme, peut-être des leviers qui sont utilisés par cette certaines émissions télé qui racontent la réalité dans le pays. Donc voilà le vrai défi de l'information. Compter de manière très simple, avec des mots simples, ce qui se passe. C'est intéressant d'écouter cette intervention, Giovanni, car même nous, les médias, quand nous communiquons, nous communiquons la cause et ensuite les faits. Donc, c'est un rapport assez simple. D'après vous, d'après toi, c'est la seule manière de communiquer les choses ou pas? Il me vient à l'esprit un poème. Peut-être c'est d'un poète qui s'appelle Gilbert, Léopold Senghor. C'est une poésie, un poème français qui s'appelle « Si on devait courir ». C'est un long poème. Il y a une maman qui fait dormir ses enfants et elle leur dit « Enlevez la chaise derrière la porte car un cyclone peut être arrivé ». Dans le verset après, il y a la même chose. Elle dit la même chose pour un tremblement de terre et ensuite pour une éruption. Et finalement, pour les zombies. Bien sûr, les enfants, les filles ont peur et elles ne veulent pas enlever la chaise derrière la porte pour courir en cas d'alarme. Et la fille aînée, un certain temps, dit « on doit enlever la chaise car peut-être mon amour pourrait arriver ». C'est là pour vous dire que c'est une bonne manière pour se préparer au risque, mais sans des scénarios apocalyptiques. On peut même essayer d'affronter les risques en construisant un monde meilleur. Ça m'est arrivé également avec le volcan Vésuve. Les personnes ne veulent pas déménager, ne veulent pas avoir des villes vides. Elles veulent avoir un meilleur rapport avec les volcans, avec le système. Elles veulent être préparées au risque, mais cela ne signifie pas se préparer à l'apocalypse. Peut-être il signifie tout simplement avoir un meilleur rapport avec les territoires. Eh bien, ces poèmes, en fait, nous expliquent un petit peu ce qui pourrait arriver. C'est vraiment éducatif. Et ça peut être également quelque chose de positif. Ça m'intéresse beaucoup et comme on parle de communication, je voudrais voir également quel a été le rôle des réseaux sociaux dans cette année qui a été très importante, pas seulement pour la pandémie, mais aussi pour d'autres événements tels que les événements dont on parle ce matin. Chiara, je ne te vois plus, mais j'imagine que tu es là. Chiara Fogno? Non, elle n'est plus là. Elle est quelque part. Donc, d'ici peu, elle se reconnectera avec nous. Donc, Filippo, on a écouté ce que Giovanni vient de dire. Et alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre
par rapport à ce rapport sur la communication, notre rapport avec la science, on le disait tout à l'heure avec M. Totti, est un peu analphabète, c'est-à-dire nous ne sommes pas un pays ayant une grande expérience en matière scientifique. Ça, c'est une faute, c'est une lacune. Et on espère pouvoir utiliser cette expérience pour colmater cette lacune. Mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, sans aucun doute, dans notre pays, nous sommes très peu conscients par rapport au thème scientifique, la pandémie. Comme tu l'as dit, nous a confrontés à cette faiblesse. Et il est clair que la solution passe à travers l'éducation et l'école. Et il me fait plaisir de voir les jeunes générations. On l'a vu aussi avec les changements climatiques. Il me fait plaisir de voir les jeunes générations qui ont une sensibilité par rapport au changement climatique. Elles étudient les rapports à l'intérieur de la communauté internationale. Et donc, il n'y a pas une simplification des thèmes. Ces jeunes arrivent même à avancer de demandes par rapport à la politique. Donc, je crois que nous devons justement essayer de insérer dans les programmes à l'école, mais pas seulement ces domaines à tous les niveaux, de la crèche jusqu'au lycée. Il faut introduire des possibilités, des espaces où les jeunes arrivent à colmater cette lacune dont on parlait. Et par exemple, pendant cette année, tu as une émission à la télé tous les jours. Qu'est-ce que tu as pu observer? Oui, j'ai vu que l'intérêt a augmenté et il a augmenté de manière un peu chaotique. Ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose que quand on fait communication du risque, à la fois risque sanitaire, hydrogéologique, sismique, volcanique, etc., c'est quelque chose que nous devons considérer, car les réseaux sociaux sont peut-être le prototype de ce système chaotique et complexe. Donc ce système, afin d'être maîtrisé et bien exploité, ont besoin d'être étudiés de manière très approfondie. Parisi, Monsieur Parisi, ah, mais Carafognon est revenu, donc je voudrais te demander qu'est-ce que tu en penses. La tension a augmenté pendant la pandémie, mais de manière chaotique. Donc, de ton point de vue, quelle a été la contribution et le rôle des réseaux sociaux et du web, de ce point de vue? Il y a deux types de rôles des réseaux sociaux. Ils peuvent aider ou être un obstacle dans toute émergence. De ce point de vue, l'université où je travaille, l'université d'Amsterdam, coordonne un projet qui s'appelle Links, consacré à l'utilisation des réseaux sociaux pendant les urgences. Comme nous l'avons vu pendant la pandémie, mais aussi pendant d'autres périodes, les réseaux sociaux peuvent aider s'il y a déjà une relation de confiance entre les institutions compétentes et les institutions générales et les citoyens. Dans ce cas-là, les réseaux sociaux peuvent aider énormément, mais ils peuvent être un obstacle avec un effet boomerang si les réseaux sociaux ne sont pas utilisés de manière consciente. Et nous savons que la conscience dérive de la des informations, des connaissances qu'on a. Donc, si nous ne connaissons pas très bien la perception du risque et les personnes avec lesquelles nous communiquons. Et si nous ne comprenons pas la période pendant laquelle nous utilisons les réseaux sociaux, le monde numérique devient un obstacle parce que nous ne le maîtrisons pas. Et à propos de ce que Titi Possidioni a dit,
Je voudrais dire quelque chose lié à ce qu'elle a dit pour ce qui concerne les réseaux sociaux. Titi Possidione avait dit qu'il faut donner un sens au temps de la paix. Cela signifie, cela peut s'appliquer aux réseaux sociaux parce que les citoyens qui cherchent des informations, mais aussi les autorités qui veulent diffuser des informations, doivent apprendre à faire tout cela avant les urgences. On peut avoir une approche structurée et systématique, pas pendant l'urgence seulement, mais avant les urgences aussi. Valentina, cela s'applique aux réseaux sociaux, mais aussi à d'autres acteurs. Oui, absolument. Nous, les journalistes de la télévision, du TG1, nous avons une grande responsabilité, c'est-à-dire que nous devons contrôler les sources. Cela veut dire qu'on ne peut pas se fier de ceux qui ont un suivi seulement, mais il faut comprendre très bien ce que cette personne va dire en télévision, quel message il va envoyer à millions de spectateurs qui se trouvent face à la télévision pour comprendre quelque chose. La pandémie nous a appris tout cela. Trop souvent, il y a eu en télé des médecins qui nous rassuraient en disant que c'était seulement une influence banale. Mais en revanche, nous devons parler en avance avec les personnes qui vont parler en télévision parce que c'est une grande responsabilité. C'est un travail que nous, les journalistes de la télévision, devons faire. Sinon, il n'y aura que des débats télévisés qui parlent de n'importe quoi. Donc, on deviendrait comme les réseaux sociaux avec beaucoup des idées, mais beaucoup de chaos aussi. Donc, quand on parle de séisme ou d'inondation, par exemple, je pense qu'on devrait parler avant tout avec la protection civile, mais pas parce que maintenant nous célébrons la journée « Je ne risque pas », mais parce qu'il s'agit d'interlocuteurs fiables et qui connaissent le thème que nous traitons. On ne doit pas chercher d'autres interlocuteurs. Donc, c'est une grande responsabilité. Toutes les informations chaotiques doivent être sélectionnées pendant les urgences. Il faut vraiment parler avec des personnes qui connaissent la situation. On ne doit pas parler avec des personnes qui n'ont pas les informations correctes, qui ne connaissent pas le territoire. Donc, en revenant sur la confiance se crée de cette manière. En portant en télévision des interlocuteurs que les spectateurs connaissent et donc ils peuvent reconnaître les informations en tant qu'informations valables. Avec cette confiance entre les interlocuteurs et les spectateurs, il y aura une communication correcte. Nous, les journalistes de la télévision, avons la capacité et devons faire un effort pour sélectionner les interlocuteurs et les informations. Mais faire cela dans les réseaux sociaux est plus compliqué. Est-ce que tu es d'accord? Récemment, on a parlé beaucoup d'une absence d'intermédiation, pas seulement dans les communications et dans la politique, mais aussi dans d'autres contextes. Les réseaux sociaux par rapport à la télévision ont cette différence, n'est-ce pas? Par exemple, on parle de la communication du risque. Donc, la télévision doit vérifier les sources, les interlocuteurs, n'est-ce pas? Est-ce que cela est la différence principale entre la télévision et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux permettent aussi une interaction, un tweet peut engendrer une interaction
Et donc, il y a d'autres risques aussi, parce qu'il faut répondre aux critiques, par exemple, qui sont chaotiques. Après, il y a des discours du langage, parce que, par exemple, il y a un certain programme, un certain horaire, et donc, on connaît les publics, comme par exemple, le soir, ou dans l'après-midi, il y a des personnes différentes. Et tandis que les réseaux sociaux ne peuvent pas être contrôlés de cette manière parce que n'importe qui peut lire un post et donc on ne peut pas contrôler les publics. Et après, les réseaux sociaux permettent d'utiliser des liens vers des sites, on peut utiliser les emojis et donc on a plus de possibilités par rapport à la télévision, mais il y a davantage de risques. Gianni, à votre avis, à ton avis, aussi à la lumière de ce qu'on a dit et à la lumière de l'analyse des différents moyens de communication par rapport au risque. On parlait de notre attitude vis-à-vis le risque et notre perception qui change dans les différents contextes, expériences, comme tu l'avais dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer de la communication du risque, des risques pour ne pas exclure trop de gens? Quand on envoie des messages, je veux dire, parce que cela s'est passé très souvent pendant la pandémie. Oui, naturellement, la communication ne peut pas être une communication à une direction seulement. Elle ne peut pas simplement aller d'une source aux autres. Il faut qu'il y ait, il faut avoir un dialogue. Et pas tout le monde va avoir les mêmes compétences, les mêmes responsabilités. Je veux retourner à la question du Vésuve. Oui, oui, on peut tourner là-bas volontiers avec vous, avec toi. J'ai rencontré des amis pendant mes enquêtes et par exemple des paysans, ils ne doivent pas comprendre le fonctionnement du volcan. À vrai dire, il connaît comment il fonctionne, ils sont conscients de son fonctionnement, mais ils ont le droit de savoir ce qu'ils doivent faire quand ils entendent les sirènes d'alarme. Donc, nous devons les engager. D'autre part, il s'agit d'un phénomène social aussi très urbain qu'on sent récemment, la subsidiarité. Et il y a de plus en plus de groupes de citoyens qui se regroupent pour s'occuper d'un monument, d'un bâtiment, etc. Donc, la sécurité aussi pourrait être considérée un bien commun. Et ces personnes que j'ai rencontrées ont envie, veulent s'occuper de la sécurité. Donc, par exemple, pendant l'été 2017, il y a eu des incendies catastrophiques sur le Vésuve. Un tiers du parc national était brûlé et les pompiers ont travaillé pendant 2 jours dans des conditions terribles. Et les habitants, les citoyens ont contribué à s'occuper de l'incendie où ils ont, par exemple, indiqué le sentier le plus efficace pour rejoindre les feux. Donc, les personnes veulent participer, mais nous devons les engager. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Chiara, pourriez-vous conclure cette discussion aussi à la lumière de ce que Joanne Gugge a dit? Est-ce qu'il est possible d'avoir une communication personnalisée et est-ce que cela est nécessaire ou utile? Oui, absolument, oui. Si, avec la communication personnalisée, nous nous occupons pas seulement de comment on communique, mais des personnes
personnes avec lesquelles on communique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et parce que clairement, si nous sommes dans les montagnes, par exemple en Italie, et il y a là-bas la mémoire historique d'une inondation ou d'un tremblement de terre, mais la population qui habite là-bas est très âgée, de 70 ans, ou plus. Donc, on ne peut pas communiquer le risque avec des campagnes sur les réseaux sociaux seulement. On devra lancer des campagnes personnalisées, pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, la personnalisation est liée à la connaissance de nos interlocuteurs, les personnes avec lesquelles nous parlons et de quelle manière, c'est-à-dire avec quelle stratégie. Cela est lié aux groupes qui se trouvent dans la société et qui sont les groupes les plus vulnérables et qui nécessitent une communication. D'une communication qui doit être personnalisée pour utiliser le mot que tu as utilisé aussi, parce que par exemple les personnes avec disabilité ne peuvent pas accéder aux plateformes informatives à travers lesquelles on communique les risques et les urgences. Donc il faut atteindre ces personnes avec une communication plus ciblée sur la base des vrais besoins d'information de la population ou des groupes de référence. C'est la lumière de la mémoire historique. Par exemple, une population qui a vécu un événement, qui a une manière de digérer les informations qui est différente de ceux qui n'ont jamais vécu une certaine catastrophe. Donc, pour conclure et pour répondre à ta question sur la communication personnalisée, je dis oui, absolument. Mais il faut le faire de manière structurelle, mais sûrement il faut le faire. Donc, cela est très intéressant. Ce que tu as dit est très intéressant. Merci, Chiara. Merci, Chiara Fonio, Valentina Vissi et Filippo Tieri et Giovanni Gug pour nous avoir aidés à analyser cet aspect très important de la communication du risque et de notre rapport avec la communication. Maintenant, c'est le moment de notre troisième étape de notre trekking urbain. Et donc, maintenant, nous sommes à Bologne. Ici, vous voyez la Vierge du tremblement de terre dans la municipalité de Bologne. C'est un ex voto du peintre Il Francia pendant la période de tremblement de terre de l'année 1504 au mois de mai 1505. Et il y a eu 3 sismes violents avec beaucoup de dommages à la tour des Asinali aussi. Et il y a eu seulement 2 victimes, mais cela a eu un impact psychologique très fort parce qu'il y a eu des forts tremblements de terre très proches les uns aux autres. Et les personnes aussi ont eu les problèmes de la faim et de la faim et des maladies, des pandémies. Donc cela a été la série de tremblements de terre plus significatifs, mais il y a d'autres tremblements de terre avant et après. Et la Vierge du tremblement de terre qui est cité dans les guides bolognaises du 15e siècle. Ici, vous pouvez voir l'œuvre de Francia. Cela rappelle que le tremblement de terre n'est pas exceptionnel, mais cela est une caractéristique du territoire qu'il ne faut pas oublier. Et il faut s'occuper de cela aussi à travers la campagne de sensibilisation « Je ne risque pas ». Merci beaucoup à Bologne aussi pour cette nouvelle étape de notre trekking interurbain avec cette carte de l'Italie qu'on construit ensemble. Maintenant, j'ai 2 autres hôtes. Je suis très heureuse de vous présenter Loredana Trigilia et Antonino Pizzolato. Bienvenue. Il momento che mi interessa.
Donc, je voudrais traiter un thème maintenant, un sujet, c'est-à-dire le sport, la compétition et aussi le sens du risque de la protection de soi-même. Ce sont deux concepts que les athlètes ont toujours ont toujours au centre de leur pensée, pas seulement pendant les compétitions, mais aussi dans d'autres occasions générales. Donc, ce matin, nous voulons entendre les athlètes. Donc, avant tout, et vous avez eu beaucoup de succès cet été, et cela montre quelque chose de très important. Aussi, Loredana, peux-tu parler nous de ces Jeux olympiques de cette année? Oui, cela a été ma 16e expérience aux Jeux olympiques, mais cela a été très différent pour à cause de la pandémie, des limitations et tout ça. J'ai adoré cette expérience parce que même s'il y a eu des limites, et nous avons toujours cherché à être toujours présents et pendant la compétition, nous étions tout seuls, ce qui n'y avait pas du public, mais cela nous a permis d'être plus forts. Parce que nous savions qu'il y avait du public dans les maisons et les personnes nous soutenaient de loin. Et donc cela a été beau, même si les publics n'étaient pas là physiquement. Oui, les résultats ont montré cela. Je ne l'avais pas dit. Vous avez gagné l'argent pour le fleuret. Et cette édition des Jeux olympiques a engagé beaucoup de monde et cela a été très émouvant. Antonino, tu as gagné le bronze, oui, 200 kilos, mais 6 kilos au-dessous de mon record personnel. Et pour ce qui concerne le soulèvement, mais je sais qu'il y a toujours quelque chose de sûr, hein, parce qu'après le bronze, j'ai eu un problème physique, même si je voulais atteindre l'argent, je savais que je risquais trop, je risquais de me tromper, mais cela se passe aussi dans la vie, pas seulement dans les compétitions. Il y a toujours des doutes, des choses qu'on ne connaît pas, des incertitudes. Il faut savoir risquer, mais en étant conscient de cela, je voulais atteindre l'argent au moins, mais je n'ai pas de regrets. Quand Loredana l'a dit, très bien. Ces Jeux olympiques ont été les premiers Jeux olympiques pour moi, mais cela a été les Jeux olympiques de la revanche pour tous les athlètes, parce que chacun d'entre nous avait envie de sortir, de faire de son mieux, de démontrer quelque chose, hein, parce que cette pandémie nous a vraiment opprimé et nous a vraiment stressé et suffoqué. On cherchait à pratiquer nos sports, même avec les limitations de la pandémie. Dans l'hymne d'Italie, il y a une phrase à laquelle je pense toujours, avant les compétitions, nous sommes prêts à mourir. Je pense que tout le monde ici est prêt à mourir en Italie. Je pense que cela a été très émouvant pour Loredana, même si elle rit, je pense que cela a été très émouvant pour elle. Et nous regardons vos compétitions et de cette manière, nous comprenons votre sens de courage, de défi. Quelque chose qu'on a traité aussi ce matin, c'est-à-dire le sens de protection de soi-même.
et des autres aussi, mais ton sport est individuel. Cela est très intéressant aussi. Il est intéressant de voir les différences entre les sports et les autres secteurs pour ce qui concerne la responsabilité pour soi-même et pour les autres. Mais Loredana, tu as perçu cela de manière très tragique et difficile et violente dans ta vie. Tu étais très petite, tu avais 19 ans, tu as eu un accident de route, oui. Au début, quand cela s'est passé, je pensais que ma vie était terminée, entre guillemets, parce que j'avais une disabilité, j'ai eu une disabilité que je pensais que cela aurait été un grand limite, mais j'ai rencontré des personnes qu'on peut recommencer, qu'on peut faire tout. Tout est possible. Et donc, j'ai commencé à pratiquer du sport, qui m'a aidé, ce qui m'a aidé à voir la vie de manière différente et à interagir avec les personnes et la vie en général. Oui, cela a été une période très difficile, mais après, il y a eu un nouveau départ. Je ne peux pas dire que je suis heureuse d'avoir eu l'accident, mais cela m'a permis de voir la vie d'une manière différente. Quand tu as 19 ans, tu veux aller à la, tu veux aller danser à la discothèque. Et après, on a, d'un jour à l'autre, on a une disabilité, on ne peut plus bouger comme avant. Mais après, là, mais après, il y a un nouveau départ. Est-ce que tu es conscient du fait qu'il est très important de t'entendre parler, de te voir? Parce que tu dis qu'une fille, quand elle a 19 ans, elle veut aller danser, elle veut aller à la discothèque. Mais après, tu as participé aux Jeux olympiques et donc tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, je pense que les filles qui t'ont vu gagner aux Jeux olympiques, elles ont reçu un message très important. Le message le plus important du sport. Oui, le sport en général et le sport paralympique permet aux filles et aux garçons que la vie n'est pas terminée pour moi, même si on est avec un problème et ou si on... On devient une personne avec disabilité après de la vie. On peut toujours vivre. On peut sortir. On ne doit pas se sentir limité aussi dans la vie quotidienne. Je connais des personnes qui ne sortent pas à cause des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la rue ou parce que les personnes les regardent. Mais voilà mon message. On peut, on doit faire beaucoup de choses, étudier, faire du sport et aussi danser, parce que nous dansons aussi. Oui, on peut faire beaucoup de choses, hein? Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Donc, tu soulèves des poids et ils semblent très légers quand tu les soulèves. Hein? Pas qu'on des plumes, mais en tout cas, la beauté du geste athlétique est celle-ci. Ne pas voir la fatigue, ne pas voir l'effort qu'on fait. Ce matin, on a essayé de parler d'autres choses, de séisme, d'inondation, et pour voir que des événements catastrophiques de ce type peuvent être liés à notre sens de participation dans un territoire et aussi cela est lié à notre conscience de certains événements pour les maîtriser un peu plus. Par exemple, où est-ce que tu es né? Je suis né à Castelvetrano, mais j'ai toujours vécu à Sarapaluta. Il y a eu le tremblement de terre en 1968. Oui, on a parlé de cela. Tu n'étais pas né.
Mais qu'est-ce que tu sais de ce moment-là? Les choses quotidiennes, nous les négligeons normalement. Mais moi, j'habite à Rome et mais quand je retourne dans mon village, parce que après le tremblement, le village est devenu vraiment très petit, donc ce n'est pas une ville. Quand je retourne là-bas, j'entends les personnes âgées qui ne sont pas nombreux. Quand on entend leurs histoires, on se pose des questions et on peut encore vivre cette nuit-là du tremblement de terre. Il y a aussi l'anniversaire du tremblement de terre tous les années. On fait cela pour rappeler les vies des 300 morts, mais aussi pour comprendre qu'on peut toujours repartir à nouveau. Quand vous m'avez appelé, j'étais très excitée parce que, comme tu l'as dit, on ne peut jamais prévenir une catastrophe. On ne peut pas avoir des certitudes, mais il faut se préparer pour ce type de choses. Et pour les problèmes liés aux catastrophes. De cette manière, par exemple, à Sarapaluta, maintenant, on voit seulement des bâtiments qui sont des ruines. Et on peut voir cela, mais on ne comprend pas cela très bien. Mais après, il y a Podereale, qui est à 3 km de Sarapaluta. Il y a eu des bâtiments qui se sont écroulés, mais il y a la ville entière qui est encore présente. Et c'est une ville fantasme qui est très riche parce que Poggioreale, dans l'histoire, avait été très riche. Il y avait beaucoup d'œuvres d'art et c'était très structurel. Donc là-bas, tu peux vraiment vivre et comprendre ce qui se passait cette nuit-là. Et cela te fait penser, te fait réfléchir, et la vie vraiment de la vie on peut avoir beaucoup de problèmes, mais aussi beaucoup de choses qui sont très belles, mais il faut réagir. Antonino nous a dit qu'on peut toujours recommencer, Loredana. Et donc la protection civile, on dit que il faut réagir. On utilise le mot résilience, donc notre capacité de faire face à des catastrophes, à des désastres, d'en sortir même de manière différente. Donc comment tu interprètes ce mot? Tu y reconnais? Oui, je m'y reconnais beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai eu l'accident, j'ai pensé que tout était fini. Mais finalement, j'ai affronté ma vie de manière positive. Tout ce que je fais, je le fais en regardant l'aspect positif. Si je n'arrive pas à monter les escaliers, eh bien, je trouve quelqu'un qui peut m'aider ou quelque chose à laquelle je peux m'éteindre. Donc, j'essaye de regarder les choses de manière positive, de voir donc la faisabilité des choses. On peut tout faire. Antonino, la résistance, c'est une caractéristique fondamentale pour un athlète, mais ensuite, les compétitions transforment l'athlète. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Je ne dirais pas qu'il y a une transformation. On s'améliore, car nous sommes les fruits de notre vie, de notre expérience, de notre parcours, et donc des expériences belles et mauvaises que nous avons vécues. Donc, tout cela nous forme de manière à faire en sorte de ne pas répéter les mauvaises expériences et on essaye également de se réjouir des belles expériences. Dans chaque compétition, nous ne pouvons pas savoir comment ça ira, qu'est-ce qu'on va penser ou bien si on arrivera
gagner. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de se bien préparer pour la compétition. Chaque compétition est différente, c'est comme la vie. Donc c'est pour cela que nous travaillons. Je suis heureux d'être là et d'avoir porté mon témoignage. Nous sommes très heureux aussi de vous avoir eu ici, Antonino Pizzolato et Loredana Trigilia. Merci vraiment de votre contribution et en particulier félicitations pour vos médailles et vos succès. Merci. Maintenant, nous allons rouvrir le lien avec nos places virtuelles et physiques en Italie. Jeanne devrait être connectée. Oui, nous sommes là. Nous sommes place Ferrari. Je suis Chiara Parodi. Je salue tous mes collègues et également les associations qui sont avec nous, ENS, Wichi et les autres. Nous avons un invité très important. Nous avons Caterina Bagnara, ici à ma gauche, conseiller de l'organisme des sourds de Gênes, et également le secrétaire général de l'ENS, de l'association. Dans les jours, dans les derniers jours, nous avons interviewé le président de l'Association internationale des sourds. Il nous a fait des demandes et il a donc souligné quelques problèmes. Il nous a demandé d'avoir un de leurs bénévoles à l'intérieur de notre groupe de bénévolat. Je lui avais promis que j'aurais amené, transmis sa demande à mes responsables et je le fais. Vous le voyez derrière moi, il y a une personne qui traduit tout ce que je dis. Cette demande a été acceptée, donc dans les jours à venir, nous allons décider ensemble le parcours à suivre. Et même ici à Gênes, tel qu'à Rome, il y aura un bénévole sourd à l'intérieur du groupe de protection civile de Gênes. Nous sommes très heureux de ce choix car nous avons beaucoup de problématiques. Et si on les affronte ensemble, on pourra résoudre les problèmes. Ce bénévole ne sera pas opérationnel, mais il s'occupera de la communication pour les personnes sourdes. Car, comme vous le savez, le langage utilisé est différent. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous avons une interprète. Oui, nous la voyons. Nous voyons très, très bien ce qui se passe, Chiara, et nous apprécions beaucoup. Alors, je me rapproche du micro. C'est une très belle nouveauté. Vous entendez? Oui, merci de cette surprise. Et nous voulons remercier beaucoup la protection civile de Gênes et tous les membres du groupe de Gênes. Je suis sûre qu'on pourra collaborer ensemble à partir d'aujourd'hui. Et c'est bien de collaborer, car nous devons tous donner notre contribution par rapport aux activités de la protection civile. Ce sont des règles importantes qui peuvent sauver des vies, même des vies des personnes handicapées. Et heureusement, nous pouvons être présents comme les autres personnes. Et pourquoi pas, nous pouvons participer plus. Oui, ça serait vraiment très important. Merci de l'avoir rappelé. Nous voulons nous aussi soutenir cette initiative. Merci à Chiara, merci à Place Ferraris. Maintenant, nous passons à la Basilicate. Nous voyons le travail des bénévoles. Ça devrait être place Balvano en Basilicate. Nous voyons donc le déroulement de cette journée. C'est beau de pouvoir voir ce qui arrive. Parfois, nous arrivons à parler avec les bénévoles qui sont dans la place. Mais d'autres fois, nous les observons tout simplement. Il y a une autre place
en Lombardie, à Milan. Oui, nous sommes connectés. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Igor, la RIS Lombardie, et nous sommes à Milan, dans un endroit un peu particulier. Et c'est particulier car le canal Martenaza est enseveli sous la ville de Milan et il traverse la ville de Milan pour déboucher au sud de la ville de Milan. Dans cet endroit, on voulait vous montrer quels sont les dangers qui existent. Comme vous pouvez le voir, il y a une section qui devient de plus en plus petite, le fleuve qui coule en souterraine. Et donc, les dangers, ça concerne les déchets qui peuvent empêcher l'écoulement de l'eau et cela pourrait causer des inondations. Donc, ce que nous faisons dans notre kiosque, c'est de diffuser les bonnes pratiques de protection civile dans ce jour de la campagne Io non risque, je ne risque pas, mais également sensibiliser les citoyens de manière à s'occuper du territoire. Car une information d'un citoyen ou bien des précautions que nous pouvons adopter, par exemple ne pas jeter des déchets dans la rue, cela peut nous aider à prévenir les inondations des fleuves, surtout dans cette zone de Milan. Donc chacun d'entre nous peut améliorer son propre territoire en évitant tout dommage, tout ce qui pourrait causer des inondations sur le territoire. Merci Igor et Veronica pour votre travail et pour ce lien. Et maintenant, on reste au nord de l'Italie, à Verona. Si nous avons des problèmes, par exemple des inondations, nous pouvons gérer ces problèmes. Même parce que si vous y pensez, si vous pensez au nombre de personnes qui ont besoin d'appareils électromédicaux dans notre territoire, on pourrait peut-être former des personnes qui pourraient fournir ces appareils en cas de risque et en même temps, on pourrait adopter une approche synergique. Ce que nous avons entendu concerne l'importance de la formation. Nous voulons remercier les bénévoles qui sont si dynamiques dans cette journée. Et dans les places virtuelles, qu'est-ce qui arrive? Oui, je voudrais dire qu'à propos de résilience de handicap, le département de la protection civile depuis 2004 a lancé un projet qui s'appelle Abile a Proteggere, qui avec la campagne Io non rischio s'occupe de rendre de plus en plus inclusives les bonnes pratiques de protection civile et la communication du risque. Et à ce propos, je voudrais vous rappeler de signaler tous les contenus accessibles concernant le handicap que vous trouvez dans les places physiques en utilisant le hashtag Io non rischio. Merci Francesca. Nous avons beaucoup de places connectées et on va au sud, en Calabre, en province de Cosenza. Bonjour. Bonjour à tous. Qui vous êtes? Et je suis Cristina Di Lardi, le président de la protection civile de Belvedere Marittimo. Malheureusement, on avait prévu une place physique, mais à cause de la météo, toutes les places physiques, les initiatives dans les places ont été annulées. Quelle est la situation? Chez nous, à Belvedere Marittimo, il y a beaucoup de vent. Et donc, c'était vraiment impossible d'organiser une initiative dans les places. Il y a une alerte rouge en Calabre. Et alors, comment travaillez-vous aujourd'hui? euh,
Je n'ai pas entendu votre question. Quoi avez-vous organisé alors? Dans l'après-midi, nous avons prévu des vidéos sur notre place virtuelle. En Calabre, il y a beaucoup de places numériques virtuelles pour la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas été possible d'organiser des initiatives physiques. Et donc, nous avons 500 bénévoles qui travaillent à ces activités. Oui, beaucoup de bénévoles. Il me semble que parfois nous avons des problèmes de connexion. Et je vous remercie également de ce changement dû à la météo. Oui, c'était la météo. Alors, je vois la place virtuelle de la Sardaigne. On essaye de se connecter. Nous remercions tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cette place numérique et qui ont permis de réaliser cette initiative. Oui, nous voyons que les activités sont en cours, les activités prévues pour ce matin, menées par les bénévoles et par les associations. L'audio n'était pas si bon, mais nous avons réussi à comprendre quelque chose. Par contre, nous avons notre place physique en Toscane, Castelnuovo di Raffagnana. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Marco Anai. Nous sommes à Castelnuovo di Raffagnana. Notre place physique est consacrée au risque naturel et au tremblement des terres. L'année dernière, on avait envisagé d'organiser une place physique, mais à cause de la pandémie, cela n'a pas été possible. Et donc, nous sommes ici cette année et nous avons organisé notre initiative qui est divisée en trois secteurs. Et Francesco Grossi va vous expliquer comment nous avons organisé notre place. Alors, nous regardons les images. Bonjour à tous. Notre place est organisée selon un parcours qui part de la tour de la Garfagnana, qui passe à travers la description du risque sismique, des éléments caractérisants et se termine par les bonnes pratiques. Donc, le long de ce parcours, le citoyen peut trouver une série de matériaux, des matériels et des écrans. Il y a également une appli qui peut être téléchargée, à l'intérieur de laquelle il y a des contenus. Il y a des vidéos d'approfondissement qui permettent de mieux comprendre les matériels qui sont exposés. Et il y a aussi une dernière zone dans notre place concernant les bonnes pratiques de protection civile. Et nous voyons les bénévoles qui informent les citoyens qui sont venus nous voir. Oui, nous voyons même les matériels. Je remercie de votre travail. Peut-être il y a également une autre place numérique virtuelle en Piémont, à Cluno. Nous voyons les bénévoles qui expliquent le fonctionnement de quelque chose. Nous n'avons pas compris exactement de quoi il s'agit. L'audio est un peu mauvais. Comme l'a dit Titi Postiglione, nous, la protection civile, c'est nous. Et donc, cela veut dire que nous devons tous essayer d'apprendre des comportements nouveaux et plus responsables. À ce point-là, je crois que Marco Cattaneo est connecté avec nous. Oui, bonjour.
Marco Cattaneo, directeur de Les Scienze. Ta contribution ce matin devient particulièrement importante. Nous avons parlé de la communication scientifique et Les Scienze, c'est l'une des magazines les plus importantes au monde. Donc, ton rôle n'est pas négligeable aujourd'hui. Tu dois nous expliquer quoi c'est la science, comment ça marche. Je sais que c'est une question très complexe. Eh bien, on commence par les questions simples. La science est un processus à travers lequel nous construisons notre connaissance du monde, ou du moins nous construisons des modèles à partir de ce que nous observons, des modèles qui nous permettent de décrire ce qui nous entoure, des processus physiques, biologiques, les forces de la nature, etc. Bien sûr, il s'agit de modèles qui simplifient la complexité énorme de la nature. Donc, la science nous donne un instrument, le meilleur instrument pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Bien sûr, ces modèles que nous construisons ont aussi une marge d'approximation par rapport à la réalité. Et la chose extraordinaire, c'est que la science nous donne l'interprétation de la réalité, mais également une marge d'incertitude par rapport aux prévisions, donc une marge d'incertitude par rapport à nos connaissances. Et nous l'avons fait quand le boson de Higgs a été découvert. Il y avait le 5 sigma qui était utilisé pour décrire la probabilité qu'il ne s'agissait pas d'une particule. Et on le fait également quand on parle de changement climatique, quand on dit que le changement climatique est causé par l'homme. Si c'est très probable, ça veut dire qu'il y a une marge très réduite. Marco, j'ai aussi une autre question simple pour toi. La science, elle peut nous aider pour la médecine, le progrès, mais il y a aussi d'autres choses desquelles on n'est pas conscient, mais elle peut nous aider. Peux-tu citer quelques domaines où la science peut nous aider? Eh bien, plutôt que la science, je dirais ses applications. Même un téléphone portable, par exemple, à l'intérieur d'un téléphone portable, il y a des découvertes scientifiques, des prix Nobel. Nous savons, par exemple, qu'aussi pour utiliser le GPS, on utilise une connexion avec satellite, on utilise la théorie de la relativité d'Einstein. Nous savons qu'il y a des outils tels que des microchips, des transistors, des prix de la physique, des prix Nobel pour la physique. Donc, des progrès technologiques qui ont été extraordinaires et qui ont été utilisés pour le téléphone portable, par exemple. La technologie, telle que le téléphone portable, nous a permis également d'affronter cette période de pandémie très dure, même les confinements. Donc, la technologie nous a donné des outils incroyable pour rester en contact avec les autres. En quoi la science peut-elle nous aider? Je ne sais pas, mais pour ceux qui ont vécu il y a 150 ans, on peut imaginer que même pour enlever un dent, eh bien, on ne pouvait pas utiliser l'anesthésie car elle n'avait pas été inventée. Et ensuite, il y a aussi d'autres applications qui nous ont amené à ce monde compliqué qui a bien sûr des défauts, mais qui est extraordinaire par rapport aux possibilités que nous avons en tant qu'espèce, en tant qu'êtres humains. Je te posais cette question car si avec aussi ton travail, on arrive plus souvent à expliquer dans quoi la science peut nous aider en termes de technologie. Mais si on arrivait à en être un peu plus conscient, peut-être il y aurait moins de défiance par rapport aux sciences. Je ne sais pas, mais dans notre pays, la culture scientifique a un peu de lacunes. Et il y a une sorte de méfiance vis-à-vis les sciences, en particulier dans cette année de pandémie. Et j'imagine que Marco, tu as eu la même impression. Je ne sais pas s'il y a eu une augmentation de la méfiance, mais si on regarde un peu l'histoire des sciences, on peut voir que le thème des vaccins, qui est l'un des thèmes chauds dans cette période, eh bien, les vaccins ont toujours eu des opposants dès les débuts, même au 19e siècle. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une vraie augmentation, mais il y a eu une augmentation de la voix des opposants. Les raisons pour lesquelles il y a cette méfiance vis-à-vis des sciences, eh bien, il y a des raisons qui résident peut-être dans le fait que les sciences sont vues peut-être comme une partie de l'establishment.
Malheureusement, les sciences ont eu des défauts. La science n'a pas raconté quelles sont vraiment les découvertes qu'il y a eu. Nous ne devons pas nous oublier que dans l'Occident, nous vivons mieux que dans toute autre époque historique. Eh bien, bien sûr. Et ce que tu nous dis démontre en fait qu'il y a un certain recul et qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'accès au contenu scientifique pour les personnes. Donc il y a eu même quelque chose qui va amener ou qui devrait amener une plus grande conscience par rapport au thème scientifique. D'après toi, ça va être quelque chose de positif ou pas? Eh bien, il y a une plus grande conscience, ça c'est fondamental par rapport aux méthodes et aussi en termes de conscience. Et la disponibilité des contenus scientifiques à travers la divulgation sur Internet, à l'aide des festivals, mais aussi dans d'autres initiatives, et tout cela est très positif, car l'un des problèmes auxquels nous avons dû faire face, tous les citoyens ont dû y faire face pendant la pandémie, c'est le fait que nous n'avons pas l'habitude à utiliser la méthode scientifique. Cela veut dire que chaque fois qui est découverte doit ensuite être vérifiée et approuvée par la communauté scientifique. Elle doit être agréée également. Et par contre, ce que nous avons vu, c'est écouter des claims, comme on les appelle en anglais, des claims exceptionnels, des slogans exceptionnels, mais en réalité, ces outils n'étaient pas agréés. Et on devrait peut-être apprendre un peu plus à utiliser la méthode scientifique qui se base sur des essais et des erreurs. Tu sais que Rosanna Panarese est une collègue de que tu connais très bien. Au début de la pandémie, nous a expliqué qu'on assistait pour la première fois en direct au déroulement du progrès scientifique. Donc, si d'un côté, on avait peur, de l'autre, on devait aussi comprendre l'importance de vivre à ces moments, également pour comprendre comment ça marche, le processus scientifique. Et c'est peut-être ce qui est arrivé en partie. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, je te remercie d'avoir rappelé Rossella, une chère amie qui est manquée trop tôt. Elle me manque beaucoup, donc je suis un peu émue. Je suis d'accord, nous assistons pour la première fois au processus de la connaissance. D'un côté, c'est très positif. De l'autre, ceux qui participent normalement au congrès scientifique ont des échanges même houleux parfois. Il faut parler clair. La science, ce n'est pas quelque chose qui est toujours simple, mais il y a des échanges. Et ces échanges sont normaux. Ces échanges sont finis également sur les journaux, dans les places. Et souvent, malheureusement, je crois qu'une partie de l'opinion publique a été désorientée, car il y a eu des opinions différentes sur la même chose qui ont été exposées. Et il y a une connaissance qui est en cours de formation encore maintenant, et nous devons toujours tenir présente que ces connaissances changent tous les jours sur la base des nouvelles études, mais aussi car chaque jour, notre ennemi change. Marco, merci de cette contribution si dynamique, si stimulante. Dans le débat de ce matin, nous continuons à vous faire confiance pour apprendre tous les jours. Maintenant, nous avons une autre liaison, pas en Italie, mais avec l'Algérie. Nous avons le commandant Abdelkader Chargui qui devrait être avec nous. Il va arriver d'ici peu, je le représente. C'est le responsable du bureau des risques naturels à la direction de prévention de la Direction générale de la protection civile en Algérie. Et avec lui, nous le voyons. Le commandant Abdelkader Chargui, bonjour et bienvenue. Je ne sais pas si je peux tout de suite vous poser la question si
Notre connexion marche bien. Je voudrais vous demander si dans le cadre du projet en cours avec la protection civile italienne, vous avez eu la possibilité de connaître comment la campagne Io non rischio est menée en Italie. Donc, si vous pouvez nous raconter un peu comment sont organisées les campagnes de sensibilisation en Algérie. Bonjour tout le monde. Donc, avant toute chose, je vous remercie pour me donner moi-même l'opportunité. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler dans ce domaine, qui est la réduction des risques et l'organisation de campagnes de sensibilisation en Algérie. Naturellement, l'expérience italienne dans ce domaine est très intéressante et moi aussi, j'ai participé à des activités de formation dans ce domaine en Italie à Rome et à Naples. Donc, j'ai pu apprendre vos stratégies de sensibilisation en Italie, également les concepts qui peuvent être diffusés également en Algérie pour collaborer, pour diffuser les bonnes pratiques. Donc, je vais faire un aperçu des stratégies de sensibilisation en Algérie. Nous sommes dans la rive sud de la Méditerranée, donc nous devons faire face à plusieurs risques graves, surtout le risque de tremblement des terres, d'inondations, ou des risques industriels. Par le passé, nous avons eu beaucoup de tragédies telles que l'inondation en 2001 qui a causé des décès. Et il y a eu un département qui s'en est occupé. Ça a été une catastrophe significative. Donc, pour ce qui concerne les stratégies de sensibilisation, elles se basent sur l'identification des groupes les plus vulnérables dans notre société afin d'organiser des actions de sensibilisation et d'information. Surtout, nous organisons des campagnes sur le terrain ayant l'objectif de réduire la vulnérabilité, favoriser une plus grande conscience parmi la population et diffuser des connaissances plus approfondies et en outre, fournir des conseils par rapport à la prévention. Et généralement, nous programmons des manifestations dans tous les départements chaque année, sur les terrains, dans les places publiques. Et il y a des cours de formation qui sont organisés. Par exemple, nous utilisons certains simulateurs de tremblement des terres pour permettre aux personnes de prendre conscience de ce risque. Nous nous occupons de programmes de communication et surtout pour les risques concernant chaque département dans notre pays. Donc, nous avons aussi un programme varié concernant les événements dans des places publiques, mais nous organisons également des événements dans les écoles, dans les centres culturels, dans les centres de formation, dans les universités, etc. Donc, en général, c'est un travail qui se poursuit tout au long de l'année avec les dates précises. Nous utilisons également des journées portes ouvertes, surtout pendant la journée internationale de la protection civile.
et pour vous montrer le travail que nous menons, et nous sommes présents dans tous les départements du pays. Voilà ce que nous faisons en termes de sensibilisation. Je remercie le commandant Abdelkader Charoui de nous avoir raconté le travail à l'intérieur de la protection civile en Algérie. Maintenant, nous avons une vidéo, je crois. Nous avons regardé la vidéo de la protection civile algérienne et maintenant nous pouvons passer à la prochaine étape de notre trekking interurbain. Nous avons atteint notre quatrième étape. Nous passons à deux cas des transformations traumatiques, l'abandon d'un centre habité, le transfert dans un autre centre. Ce sont des événements qui sont arrivés fréquemment dans notre pays, de la région Friuli à la Sicile. Nous sommes à Bolzano avec les bénévoles pour parler du tremblement de terre des fin 19e siècle. Le petit village de Busanavec a été détruit en 1887 à cause d'un tremblement de terre. En 1831, il y a eu la première des secousses et cela n'a été que le début. Dans les années suivantes, il y a eu d'autres tremblements de terre, mais la population a tout oublié et rien n'était fait pour mettre en sécurité le village. En 1887, il y a eu un tremblement de terre très fort qui a toujours changé pour toujours le destin du village. Donc, à cette heure-là, la population se trouve dans l'église en 20 secondes. Cet séisme cause des dégâts et des morts énormes. La voûte de l'église s'écroule et également la partie au nord du village. Des centaines de personnes sont ensevelies. Donc, voilà les témoignages de l'époque, cette expérience très traumatique. De tremblement de terre. Le prêtre avait immédiatement était dans l'église et il y a eu ce tremblement de terre. Et on se rappelle encore des cris qu'il y avait eu et de l'écho qu'il y a eu. La voûte de l'église s'est écroulée. Les habitants de l'époque ont ensuite décidé d'abandonner leur maison et de recommencer leur vie ailleurs. Pendant des années, donc, ce village est resté abandonné. Il est devenu donc un village fantôme. Après la Deuxième Guerre mondiale, des familles du sud de l'Italie ont essayé de s'installer ici.
L'administration a imposé la destruction de toutes les habitations qui étaient encore, qui n'avaient pas été détruites. Donc, des artistes se sont inspirés de ce village. Ils se sont installés dans ce petit village. Ils ont construit donc une communauté artistique pour relancer ce village qui aujourd'hui abrite de nombreux artistes. Nous sommes dans le cœur de la région Abruzzo, Ascano, près du lac. Il y a le village de Frattura Vecchia. L'histoire de ce village est très émouvant. C'est le 13 janvier de 1915. À quelques kilomètres d'ici, il y a eu une des tremblements de terre les plus violents de l'histoire d'Italie, le tremblement de terre d'Avezzano, avec une magnitude très haute. Environ 500 citoyens étaient là-bas. La plupart se trouvaient dans les Pouilles pour qu'ils étaient des bergers. Mais dans le village, il y avait encore les filles et les mères. Et une fille de ce temps-là parle de cela. Après quelques heures, j'entendais mon père et mon frère qui m'appelaient. Et donc, je commençais à crier pour me faire entendre. Après, ils arrivèrent à me sentir. Et à ce moment-là, je suis arrivée à leur dire que ma mère était morte. Et 200 des personnes sont mortes et les personnes qui ont survécu ont vécu pendant longtemps dans des baraques. En tout cas, les citoyens ont eu le courage de recommencer et reconstruire leur village, même avec la souffrance et l'abandon. Quelques ans plus tard, ils sont allés vivre dans un village qui s'appelle maintenant Frattura Nuova. Voici donc une autre étape de ce voyage en Italie, ce trekking interurbain. Vous avez vu aussi les places numériques et les autres pays, l'Algérie et le Maroc, mais je ne risque pas, ne se déroule pas seulement dans les places, mais surtout dans les ateliers. Et donc, nous avons préparé quelque chose à vous montrer avec Luca Ferraris et Laura Poletti. Donc, je vous vois. Qu'est-ce qu'avez-vous préparé? Qu'est-ce qu'allez-vous nous montrer et nous expliquer? Merci. Nous avons ici un hôte. C'est une carte tridimensionnel. Je voudrais remercier le réalisateur Remo, qui est une personne qui fait des inventions de cartes de ce type tridimensionnel. Il est aussi un plongeur. Voilà, c'est un quartier de la ville de Genova. Il y a les deux fleuves de Gênes. Il y a eu les inondations liées à ces fleuves. C'est une carte très précise, une maquette très, très précise. Il y a les maisons sur les rives des fleuves et la ville avec le Stadium Ferraris. Le stade Ferraris. Et donc voilà la ville de Gênes, mais cela représente aussi le bassin typique de cette zone de la Terre, des bassins très petits. Et ici, vous pouvez voir le temps. Nécessaire pour une goutte d'eau d'arriver jusqu'au bout. Et donc, avec ces bassins et ces fleuves et ces temps, vous pouvez voir que ces fleuves sont très près des montagnes. Il y a aussi l'urbanisation croissante. Ils sont aussi très près de la mer. Et pour cela, ils sont de plus en plus limités. Et aussi, ils sont de plus en plus perdus par les autres éléments de la ville. Donc aujourd'hui, on peut voir comment ces types de bassins se comportent. Donc, on devrait devenir un peu plus conscient
des zones les plus à risque. Oui, c'est ça. Maintenant, Laura va simuler la pluie. Comme il pleut dans la côte de la Méditerranée. Et donc, il y a l'air qui monte, la pluie n'est pas intense, l'eau coule. Et ici, vous pouvez voir l'eau qui coule. Donc, c'est une situation typique. Une situation typique quotidienne avec les lignes du fleuve. Il y a des personnes qui normalement se trouvent sur le pont. Et, mais au moment où l'eau et les pluies augmentent, ou parce que par exemple il y a un blocage ou d'autres raisons, et à un certain moment le niveau de l'eau augmente et dans quelques secondes dans la maquette, mais dans la réalité dans quelques minutes, et l'eau commence à sortir rapidement et intensément. Seulement 20 cm d'eau font la différence. Et donc, c'est l'eau qu'on n'attend pas, qui frappe les portes, qui casse les portes, comme le disait De André. Comme Laura vous l'avait montré à Jeanne, il y a aussi le stade où, avec une capacité de 36 000 citoyens de personnes, c'est pour cela que j'aime pas seulement travailler dans le domaine de la sensibilisation, mais doit aussi s'occuper des œuvres publiques pour prévenir ces problèmes. Pour cela, on a construit un canal pour permettre d'évacuer davantage d'eau. Donc, ce n'est pas un risque zéro, mais c'est un risque plus durable. Et donc, les inondations deviennent plus rares. Merci beaucoup, Laura Poletti et Luca Ferraris, pour avoir montré ce phénomène avec la maquette. Et ils nous ont montré comment les simulations marchent dans les laboratoires pour comprendre comment faire face à ces phénomènes. Maintenant, nous avons un autre hôte en ligne, Chiara Lessi. Bienvenue. Bonjour, Rosa. Chiara a le foulard avec Je ne risque pas sur le foulard. Elle a écrit beaucoup de livres comme Tante Caricose qui parle de notre rapport avec beaucoup d'objets symboliques. Certains sont très fameux, d'autres un peu moins. Donc, ce sont des objets qui parlent de nos maisons, de nos villes et de nos histoires. Pourquoi est-il intéressant de t'entendre, de t'engager? Parce que ce matin, on parle de risques et nous pensons toujours aux personnes, aux territoires, aux corps et aux espaces. Mais les espaces sont aussi caractérisés par les choses que nous avons, les objets que nous utilisons tous les jours, mais aussi les objets qui nous représentent, qui nous accompagnent d'une manière émotionnelle. Très souvent, les choses, les objets sont les plus négligés quand on parle de risques, tandis que nous avons un rapport très solide et très fort avec les choses et les objets. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des choses et pas des objets. Il y a une petite différence entre les deux parce que, qui est très importante, parce que cela montre que les choses sont des sujets. Ils n'ont pas une position statique dans les relations avec les personnes qui les possèdent, avec l'histoire et avec les autres choses. Et si nous pensons à la maison, au fond, n'est qu'une grande chose dans laquelle il y a beaucoup de relations, beaucoup d'histoires.
je pense à Christian Greco, le directeur du musée de l'Égypte de Turin. Il parle de l'histoire. Il dit que l'histoire de l'homme peut être racontée seulement en utilisant des choses, des objets avec lesquels l'homme a établi des relations. Donc, les choses ne sont pas seulement des choses, elles ne sont pas neutres, elles sont aussi des mots. Il y a aussi des choses sans mots parce qu'on ne les a pas définies. Et en tout cas, les choses sont fondamentales. Les documents et l'histoire, le mot montrent cela et les objets ont été sauvegardés pour cela. On s'est occupé du transfert des objets dans le temps et dans la géographie. Cela nous permet de construire une géographie de la mémoire collective. Quand tu parles de la mémoire, la protection civile s'occupe de sauver les personnes et les espaces, mais il y a une règle selon laquelle il faut quitter les choses, mais quand il y a un tremblement de terre ou une inondation, on quitte les choses. Aussi les choses qui sont très importantes pour nous parce qu'ils font partie de la mémoire de laquelle tu parlais. Quand je suis allée à L'Aquila après le tremblement de terre, quelques mois après le tremblement de terre, ils nous ont permis d'arriver à la zone rouge. Et je regardais les fenêtres de maison à travers les fenêtres, je voyais des objets. Et je me rappelle d'un cahier d'un scolaire, d'une fille qui venait d'apprendre à écrire. Donc un objet comme celle-là et d'autres que nous avons observés avec douleur représentent une identité, pas seulement la mémoire. Pardon, je voulais dire une chose, pas un objet. Oui, le rapport avec les choses et les deuils et le rapport entre les choses et la mort, les choses et la vie est fondamental de la littérature. Pensons par exemple aux deux poètes du XXe siècle, Borges, quand il conclut son poème Las Cosas, et il dit que les choses vont durer au-delà des possibilités de la mémoire. Donc les choses ont un rapport très fort avec la mort. Pensons par exemple aux enterrements anciens avec les objets les plus chers. Donc les objets avaient et ont une fonction symbolique. Donc l'homme dans sa relation et la femme dans sa relation avec les choses veulent transférer sur les choses et les objets un pouvoir magique, celui-ci d'être immortel et de survivre aux hommes au-delà de la vie qui doit terminer, que nous avons et qui termine. Donc, il y a un transfert de désir d'immortalité que les choses peuvent assurer à notre place. Un autre grand poète, quand il parle des choses qui ont survécu, donc des choses qui n'ont pas été jetées, des choses qui ont été sauvegardées, des choses qui semblent inutiles. Par exemple, il parle de sa femme qui est morte. Il pense à la bouteille de champagne du Nouvel An. Et donc, il parle de la relation avec les objets. Donc, on ne parle pas de mémoire collective ici, mais c'est une relation privée, intime dans ce cas-là. Et qui aussi crée des difficultés, comme par exemple, on nous dit, on nous impose, on nous explique quels sont nos biens essentiels et quels sont les biens auxquels il faut renoncer. Donc il y a beaucoup de décisions délicates liées à cela. Donc de ce point de vue,
Qu'est-ce que les choses nous apprennent à propos de nous-mêmes et de nos peurs? Les choses sont des symptômes. Si nous considérons la manière de réagir aux choses et des transferts à travers les choses, nous pouvons avoir des signaux culturels très importants. Pensons par exemple aux objets personnels des personnes qui ont péri à cause du COVID. Donc ces objets nous parlent des personnes qui les ont possédés. Il y a des indices de la relation qu'on a dans certains moments par rapport à certaines choses. Donc voilà un thème fondamental. Lié à la grande chose qui est la maison. Cela nous dit que l'étude des maisons et des habitudes qu'on a poursuivi pour réagir et aussi pour bâtir dans l'avenir. Quand on veut exporter un modèle d'architecture d'une ville comme Milan à des situations totalement différentes, je pense que cela n'est pas idéal. Donc, pensons par exemple aux caractéristiques typiques d'une maison de montagne par rapport à une maison de ville, avec des caractéristiques très différentes. Et cela est très utile pour protéger aussi les caractéristiques spécifiques, aussi le rapport individuel, local, par rapport au territoire où on vit. Les maisons, nos maisons, sûrement, disent quelque chose de la période de la pandémie. Les maisons ont déjà changé parce que nos habitudes ont déjà changé. On étudie cela et cela est très intéressant. On va lire cela pendant les prochaines années. Merci, Chiara Lessi, pour avoir participé à Je ne risque pas. Donc, retournons maintenant aux places. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour la maquette de Chim, qui a été très appréciée par les enfants aussi, mais je voudrais vous rappeler encore une fois quelque chose que j'avais mentionné. Nous proposons un jeu à faire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le lien est dans les commentaires sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Vous devez répondre à quelques questions pour comprendre votre attitude par rapport au risque naturel. C'est quelque chose de très bref. Vous devez seulement utiliser ce lien et choisir parmi les trois situations possibles décrites. Merci. Non, je voulais seulement dire que les liens se trouvent sur tous les trois réseaux sociaux. Il faut seulement choisir une des trois options des questions et après il y aura votre profil pour comprendre quelle est votre attitude par rapport aux risques sociaux, aux risques naturels. Maintenant, voilà mes derniers hôtes. Voilà Luca Ferraris, Alessandro Amato, Angelo Masi, Alessandro Benini, Titti Postiglione e Romano Camassi. Donc, nous devrions conclure cette journée, cette expérience très riche et diversifiée sur les territoires et les expériences. Donc, partons avec toi, Titti. As-tu trouvé quelque chose de particulièrement intéressant ce matin? Je pense que il y a une chose qui doit nous donner de la force, hein,
et pour rendre cette campagne héritage national un bien commun à défendre, à mettre en œuvre et aussi à modifier par rapport au monde qui change. Et je pense que cette initiative fantastique d'influencer des mondes différents, donc sortir du monde de la protection civile qui est très large et influencer d'autres mondes qui ne sont pas considérés comme quelque chose qui est utile à la protection civile. Donc aujourd'hui, nous avons parlé avec des poètes, des écrivains, des journalistes, des scientifiques, des experts, des secteurs, des anthropologues. Je pense que c'est là vraiment... nous a vraiment permis d'avoir une approche beaucoup plus large. Donc, on devrait parler de la protection civile avec des points de vue différents. Et si on fait cela, on peut créer la culture du risque qui est très nécessaire dans notre pays. Je pense que l'expérience d'aujourd'hui et cet événement dans ce lieu si spécial est sûrement un bon début, un bon départ. Oui, nous sommes dans l'Istituto Rossellini de Rome. Nous l'avions dit au début, mais il est important de le rappeler, comme l'avait souligné Titi Postiglione. Je vais poser la même question à Luca, et qui nous a montré la maquette, qui était vraiment délicieuse et qui a été très apprécié dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as apprécié ce matin? Ce matin, j'ai apprécié la manière particulière d'aborder ce thème. Nous n'avons pas vraiment parlé des comportements de manière directe parce que la science ne peut pas modifier les comportements en tant que choix à faire. Mais la science doit passer à travers la conscience et conscience, choix, comportement. Je pense qu'il faut travailler sur la conscience, la connaissance. Donc, ce n'est pas seulement une campagne de communication du risque, comme on le dit, mais à notre avis, c'est quelque chose de plus de ça. Nous travaillons sur la culture, et en travaillant sur la culture, nous avons besoin de temps, d'enthousiasme, de témoignages, de photos et de conscience. Et aussi Chiara Fonio. Je voulais entendre les personnes qui avaient déjà parlé, mais je ne la vois pas, donc je passe la parole aux autres personnes qui sont ici sur le stage avec moi. Alessandro Benini, le responsable national d'Ampass, et quelle est la contribution la plus précieuse ou la plus surprenante de ce matin, de cette matinée? Oui, c'est un sujet qui a été mentionné un peu par tout le monde. On a parlé des vaccins, mais aussi d'autres choses. C'est le thème de la confiance. Maintenant, nous recevons un excès d'informations concernant les bonnes pratiques, les règles, les suggestions. Nous ne savons jamais quelles sont les informations fiables. Il semble qu'il y a aussi des intérêts cachés derrière certaines suggestions. Et donc, il y a une absence de confiance, tandis que la campagne « Je ne risque pas » est caractérisée par les bénévoles dans les places. Ils sont un élément de confiance. Les citoyens les connaissent parce qu'ils font partie de leur communauté et la communauté où ils informent les citoyens sur les bonnes pratiques de protection civile. Donc, les membres de la communauté, des communautés petites, sont très connus. Et aussi, les bénévoles dans les villes plus grandes font partie des associations qui sont considérés fiables. Donc maintenant, Romano Camassi, historien de tremblement de terre, vous aviez parlé très clairement de l'importance de la connaissance de tremblement de terre avec une approche historique. Et quel a été le moment le plus utile de cette matinée où
par exemple, quelque chose que tu penses qu'on a négligé, qu'on aurait dû traiter? Je pense qu'il y a un fil rouge dans cette campagne, c'est-à-dire quelque chose qui est lié à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le texte de Ferran Quarminio quand il dit, quand il parle de l'attente comme une occasion commune, de l'hésitation comme une opportunité pour gagner du temps. Et il conclut en disant qu'il faut regarder mieux les choses qu'on regarde. Donc, voilà le but de la campagne. La campagne veut inviter les personnes à regarder les choses mieux, à connaître son environnement, son contexte, et aussi regarder mieux et comprendre les effets possibles sur les personnes et les choses, et que cela dépend de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. C'est là très important. Donc, oui, je suis d'accord. Donc maintenant, Monsieur Angelo Masi, qui s'occupe du réseau des laboratoires des universités, qui s'occupe de l'ingénierie sismique, c'est une matinée très belle avant tout. Donc merci et congratulations. Je me félicite avec tout le monde, avec tous ceux qui l'ont organisé. Mais il y a un mais. Après toutes ces initiatives et ces événements, je pense qu'il y a trop peu de prévention dans ce pays. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à cet événement ont proposé beaucoup de réponses, mais s'il n'y a pas une demande de sécurité dans ce pays, beaucoup de choses ne seront pas réalisées. Donc, j'espère que les citoyens, vous considérez la sécurité une valeur. Ou j'ai un désir encore plus ambitieux. Je veux qu'ils considèrent un style de vie. Mais donc les enseignements des bénévoles est fondamental parce que cette question et la sécurité en tant que valeur est appréciée encore plus si on pratique la prévention. Aujourd'hui, on a parlé de la pratique de la sécurité. La sécurité est aussi la conscience. Alessandro, le pédagogue brésilien dit que Paulo Freire dit que la connaissance devient conscience seulement si elle est placée dans un contexte précis, seulement s'il y a une motivation pour les personnes pour agir. Est-ce que tu penses que cela est un des buts de cette campagne? Oui, absolument. Et par exemple, les bénévoles. Et le président du conseil des ministres italiens a dit qu'il admire les bénévoles. Et les bénévoles répondent aux besoins de la communauté de manière quotidienne et ils s'occupent des besoins des personnes au moment d'urgence. Et donc, ils passent de la théorie à la connaissance réelle parce qu'ils ont affronté des situations réelles. Donc, ils peuvent transmettre cette conscience et ils peuvent la montrer aux citoyens sur la base du rapport de confiance qu'on avait mentionné. Et aussi, ils ont des éléments de mémoire parce qu'on ne peut pas oublier une action de secours. Et donc, dans la communauté, il y a cette mémoire qui reste dans le temps. Et donc, quand on communique, on a deux personnes, il y a un élément qui communique et il y a des spectateurs. Mais en effet, il y a un dialogue. Est-ce que je ne risque pas fonctionner de cette manière? En réalité, dans la campagne, nous cherchons à faire quelque chose de très différent. Donc, nous pensons à un parcours qui se base sur l'accompagnement des personnes et nous les accompagnons pour leur permettre de connaître le territoire. Et donc, la campagne se base sur le travail des bénévoles dans les places avec les personnes avec lesquelles ils vivent tous les jours. Et cela est un signal d'une approche qui est typique de cette campagne. Donc,
Je pense que une autre chose ici, nous avons travaillé ici pendant 3 ou 4 heures tous ensemble avec beaucoup de personnes qui ont consacré des jours à cette activité. Donc cela montre qu'on peut construire la communication à travers le travail avec les personnes et je pense que nous devrions les remercier tous dès maintenant. Oui, c'est une opportunité pour les remercier. Et je suis totalement d'accord. Donc, en parlant de cela, Angelo, pouvez-vous nous parler des connaissances les plus utiles dans l'avenir aujourd'hui pour construire cette connaissance, conscience et pour apprendre à faire face aux risques? Je vais essayer de répondre de manière optimiste. Il y a une théorie selon laquelle l'optimisme est une chose pour laquelle tous les échecs sont causés par une connaissance insuffisante. Donc, toutes les connaissances sont importantes. On ne doit pas identifier les connaissances ou la quantité des connaissances, mais c'est une question de qualité des connaissances. Et donc, ceux qui s'occupent de diffuser les connaissances ont le devoir de considérer les connaissances d'une manière qui n'est pas une barrière entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La connaissance doit toujours être un pont et pas une barrière. Et donc, nous devons... je veux faire un exemple pratique pour expliquer cela dans mon domaine. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a une des plus grandes opérations qui peuvent vraiment requalifier nos maisons. Il y a les bonus pour les tremblements de terre, tout le monde le connaît, mais quelquefois les personnes ne saisissent pas cette opportunité avec les ressources des États parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur maison. La communauté scientifique étudie une manière de faire tout cela sans sortir des maisons. Cela montre la qualité du savoir, des connaissances au service des personnes. Oui, cet élément est très intéressant et je vais poser la même question à Titi Postillon. Et pour conclure, mais surtout je te demande cela. Je vais parler de quelque chose que j'ai vécu et que j'ai appris ce matin. Il me semble que je ne risque pas, n'est pas seulement une initiative, une journée, un événement, mais c'est un processus et c'est une approche culturelle et systématique dont on a vraiment besoin. Tu es d'accord avec ça et tu penses que cela est une approche stratégique de la protection civile, de la construction d'un nouveau rapport avec le risque? Oui, tu es arrivé vraiment au cœur de cette question. Effectivement, la campagne Ayons nos risques n'est pas tout simplement une initiative ou une campagne de communication, c'est aussi cela, bien évidemment. C'est un processus, on l'a dit, c'est un processus culturel important qui doit... entrer dans notre conscience et doit devenir un patrimoine de tous. Je reviens sur ce slogan que nous avons choisi. Io, moi, ça veut dire que la personne est au centre des politiques de prévention et aussi pour la réduction des risques. Donc nous devons changer d'approche. Nous avons essayé il y a plus de 10 ans de le faire en imaginant ce qu'on pouvait faire à bref terme, à court terme, mais également à long terme. Donc la question par rapport à l'importance pour la protection civile est une question centrale aussi, car, si je peux le dire, cela représente aussi une synthèse de toutes les meilleures expériences, les capacités, l'intelligence, la communauté scientifique, les bénévolats, les entités partenaires, la société civile élargie. Eh bien, dans ce plateau, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de ce que notre pays peut offrir. Il y a aussi d'autres composantes qui n'ont pas été présentes. Donc, pour nous, c'est un investissement très important.
qui représente un peu la base de nos politiques de prévention, et nous sommes particulièrement heureux d'avoir des partenaires fiables, passionnés, enthousiastes tels que nous, qui contribuent avec leurs connaissances, qui le font avec leur cœur, parce que nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Aujourd'hui, ça a été un défi et je voudrais conclure en remerciant Rosa pour nous avoir accompagnés dans cette longue marathon. Aujourd'hui, ça a été pour nous tous également une découverte extraordinaire. Et je voudrais remercier tous l'équipe qui a travaillé, sans cesse dans ces jours, dans ces semaines, afin de tout organiser. Et surtout, une équipe qui a cru. Quand on a imaginé un défi il y a tout juste quelques semaines, eh bien, il a fallu beaucoup de courage, on l'a eu. Et nous avons trouvé dans notre parcours presque par hasard cette réalité dont nous avons parlé aujourd'hui de manière enthousiaste, c'est-à-dire les filles et les garçons avec leurs professeurs de l'Institut Ciné-Télé Rossellini. Une expérience magnifique ici à Rome. Nous avons vraiment cru en ces filles, en ces garçons. On leur a donné confiance. Et finalement, ce n'était pas important si, par exemple, il y avait le risque de perdre quelques liens, car nous sommes tous sur le même train qui doit nous amener vers une conscience différente des risques dans notre pays. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Et je ferai un applaudissement et je vous remercie. Vous ne les voyez pas, mais les filles et les garçons ici présents sont beaucoup, y compris les personnes qui ont travaillé à cette matinée. Et c'est vraiment beau. C'est beau de participer à un travail d'équipe si important dans un endroit si accueillant. Je remercie encore une fois et je salue tout le monde, y compris Francesca qui est avec moi sur les plateaux, qui nous a aidés avec les places virtuelles. Et après, nous devons parler encore du test. Alors, je vais le faire immédiatement. Je vous remercie. Je remercie l'Institut Rossellini de Rome et aussi merci au département de la protection civile, à l'IMPAS, à la Fondation CIMA. Merci à tous ceux qui ont participé dans les places et merci aussi à ceux qui ont suivi cette matinée.